Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Très heureux d'être en présentiel à soir avec mes collègues que je tiens à saluer. Aussi, j'aimerais mentionner l'absence, puis la motiver l'absence de Michel Pronovost. Aussi, j'aimerais saluer les journalistes, les gens à la télévision, les gens dans la salle, l'équipe technique. Puis en tout et partout, ben, je vais laisser la parole à Mme Landlais, justement pour ceux qui ont des questions à poser sur Internet. Madame Landlais. Merci, Monsieur le maire. Donc, ce soir, nous sommes en présentiel, mais il y a quand même des gens qui peuvent nous écouter à la maison via YouTube. Alors, si vous avez des questions, gens à la maison, vous pouvez nous écrire par courriel à l'adresse courriel conseil@commercialeville.latuc.qc.ca. Donc, conseil@commercialeville.latuc.qc.ca et je poserai les questions pour vous lors des périodes de questions du public. Merci. On va aller à l'item numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Madame Lévesque, est-ce qu'il y a un ajout? Oui, Monsieur le Président. Donc, on a un ajout à l'item 13 au Varia, donc un appui à la Fédération québécoise des municipalités pour la solidarité envers le peuple ukrainien. Merci beaucoup. Alors, ça me prendrait un proposeur. Je vais proposer. Madame Duchamp, Madame. Wallet, appuyé par Mme Duchesne. Merci. À l'item 3, 3.A, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 15 février 2022. Alors, attendu que les membres du Conseil ont reçu copie du procès-verbal et en ont pris connaissance, en conséquence, il est résolu que le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 15 février 2022 soit adopté tel que rédigé. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Propose. Monsieur Bernier, appuyé par Monsieur Godreau. À l'item B, suivi du procès-verbal, il n'y avait aucun suivi, Madame Lévesque, à avoir. Tout est correct. Alors, on s'en va au point 4, correspondance ministère des Forêts et de la Faune. Alors, il s'agit d'une correspondance qui a été transmise par le directeur général de la Direction générale du secteur central du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Monsieur Philippe Grenier, adressé à Monsieur Jean-Sébastien Poirier le 18 février 2022, qui s'intitule Programme d'aménagement durable des forêts 2021-2024, approbation de la programmation annuelle 2021-2022. Or, Monsieur, la Direction générale du secteur central a pris connaissance de la planification annuelle 2021-2022 que vous lui avez fait parvenir le 11 février 2022 au nom des municipalités régionales de Comté de la Mauricie, conformément aux obligations découlant du programme d'aménagement durable des forêts 2021-2024. Par la présente, la direction vous confirme que celle-ci est conforme et répond aux exigences du PADF. Un chèque de 607 500 $, correspondant à 90% du montant annuel consenti à la région de la Mauricie, vous sera acheminé directement par la Direction générale des ressources financières et matérielles et de la gestion contractuelle. Merci. Qu'est-ce qui est plaisant avec cette correspondance-là, c'est que là, on l'a plus de bonne heure, de un. De deux, aussi, c'est sur 3 ans. Fait qu'on peut planifier justement nos projets à l'avance. Puis la période qui va débuter le 19 avril pour recevoir les projets. Fait que merci. On s'en va à l'item numéro 5. Adoption, rapport d'activité annuelle 2021, schéma de couverture de risque incendie. Alors, attendu que l'agglomération de Latuc doit adopter par résolution et transmettre annuellement au ministre de la Sécurité publique un rapport d'activité du schéma de couverture de risque incendie pour l'exercice précédent et les projets pour la nouvelle année en matière de sécurité. Attendu que l'agglomération de Latuc doit assurer le suivi de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. En conséquence, il est résolu que ce conseil d'agglomération prend acte et approuve le rapport d'activité annuelle de mise en œuvre du schéma de couverture de risque incendie pour la période de juillet 2020 à juillet 2021. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Par M. Fortin, appuyé par M. Lebel. Dubé. Ça va bien. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu en présentiel. C'est ça, d'après, tu m'as pas fait ton nom. Je vais me voir la face. Je voudrais juste ajouter, c'est que le schéma de couverture de risque a été très, très bon. Ça a été bien, bien déroulé.
Puis on a eu une belle cote, là, quasiment de 100% sur toutes les réponses au niveau des alarmes incendies et ces choses-là. Donc, je voudrais féliciter le service d'incendie pour son excellent travail, puis les pompiers qui travaillent aussi. Puis avertir qu'en 2023, on va avoir un nouveau schéma de couverture de risque qui va être mis en branle. Fait qu'on va vous tenir au courant. Merci tout le monde. Merci, M. Fortin. On s'en va à l'item 6. Octroi d'aide financière remboursable via le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, volet aide aux entreprises et régions en alerte maximale zone rouge, prêt. Attendu qu'en fonction de l'entente intervenue, le gouvernement du Québec verse à l'agglomération de Latuc une enveloppe budgétaire via le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises en vue de soutenir les besoins financiers reliés aux pertes subies suite à la COVID-19. Attendu les analyses par le comité consultatif d'investissement et les recommandations favorables émises au conseil d'agglomération pour les projets déposés au service de développement économique pour solliciter une aide financière à ce programme. En conséquence, il est résolu que ce conseil d'agglomération accorde les aides financières suivantes. Or, nous avons 9 projets qui totalisent une aide financière totale de 160 258 $ et 47. Le premier projet par le promoteur Restaurant Le Boquet pour une aide de 25 000 $. Le restaurant Chez Tinours pour un montant de 12 235 $ et 46. Zone Espace Danse pour un montant de 1 300 $. Bar Salon Vénus pour un montant de 19 000 $. La rôtisserie au Coq d'Or pour une somme de 14 000 $. La microbrasserie Mouton Noir pour un montant de 11 000 $. Le relais 22 000 incorporé, un montant de 58 975 $ et 66. La brassette, un montant de 18 000 $. Et service alimentaire Véro pour un montant de 747 $ et 35. Et que ce conseil d'agglomération autorise la directrice du Service de développement économique et forestier, Mme Danielle Rémillard, à signer pour et au nom de l'agglomération de Latuc les contrats de financement. Merci. On prendra un proposeur. Propose. M. Bernier, puis par Mme Duchesne. Qu'est-ce qui est bon à mentionner avec ce programme-là, c'est qu'à l'heure actuelle, les aides qui sont données aux entrepreneurs, bien, sont remboursables seulement à 20 %. Il y a 80 % qui font partie du programme. Puis pour les autres qui voudraient adhérer à ça, il y a encore une enveloppe d'au-dessus de 100 000 $ fait que ça va être aux gens à s'en prévaloir, là, s'ils n'ont de besoin, pour les frais fixes. On s'en va à l'item 7. Octroi d'aide financière non remboursable via le Fonds Région et Ruralité, volet 2. Attendu qu'en fonction de l'entente intervenue, le gouvernement du Québec verse à l'agglomération de Latuc une enveloppe budgétaire via le Fonds Région et Ruralité en vue de soutenir différents projets issus du secteur privé, municipal, coopératif ou OBNL. Attendu l'analyse par le comité consultatif d'investissement et la recommandation favorable émise au conseil d'agglomération pour 2 projets déposés au service de développement économique et forestier pour solliciter une aide financière à ce fonds. En conséquence, il est résolu que ce conseil d'agglomération accorde les aides financières suivantes. Or, pour le projet de Lunaison, soit Mme Claudie Rivard, pour le projet d'expansion de son entreprise Lunaison, une somme accordée de 4 500 $ non remboursable. Et au sanatorium historique de la Quai-d'Ouard, M. Simon Parent, pour le projet d'acquisition d'éco-habitation et construction de bâtiments de service, une aide accordée de 25 000 $ non remboursable. Et que ce conseil d'agglomération autorise la directrice du service de développement économique et forestier, Mme Danielle Rémillard, à signer pour et au nom de l'agglomération de Latuc les contrats de financement. Merci. Monsieur le Président. Oui. Avant qu'on procède au vote, je veux juste qu'on prenne note que pour éviter toute ambiguïté, je me suis retiré de toutes les discussions passées et présentes. Merci. Ça va être noté au procès-verbal. Alors, ça me prendrait un proposeur. Je vais le proposer. Mme Ouellet, appuyée par... Le secondé. M. Chagnon. Merci. On s'en va à l'item 8. Octroi d'aide financière non remboursable via le Fonds Région et Ruralité, volet 4. Oui, alors attendu qu'en fonction des ententes intervenues, le gouvernement du Québec verse à l'agglomération des enveloppes budgétaires via le Fonds Région et Ruralité, volet 4, en vue de soutenir différents projets issus des secteurs privés, municipaux, coopératifs ou OBNL. Attendu l'analyse par le comité consultatif d'investissement
et le comité de vitalisation et la recommandation favorable émise au conseil d'agglomération pour un projet déposé au service de développement économique. En conséquence, il est résolu que ce conseil d'agglomération accorde l'aide financière suivante. Alors pour le promoteur Ville de Latuc, agglomération de Latuc via le service de développement économique et forestier, pour le projet Citoyens en action, une aide financière de 100 000 $ non remboursable au volet 4, vitalisation. Et que ce conseil d'agglomération autorise la directrice du service de développement économique à signer pour et au nom de l'agglomération le contrat de financement. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Je vais proposer. M. Fortin, appuyé par M. Godreau. Qu'est-ce qui est bon avec ce programme-là? C'est que dans quelques semaines, probablement, on va avoir justement les modalités justement du programme, comment adhérer à ça. Puis ça va être, qu'est-ce qu'on entend souvent parler à l'extérieur, des projets citoyens. Bien, on a une enveloppe de 100 000 $ là-dedans, puis qui peut être peut-être donné à un projet, deux projets, trois projets, mais ça va être sous forme d'analyse. Ça fait que plus de détails vont vous être donnés là, dans le futur. Donc, merci, puis c'est un très beau programme en passant. Point 9, avis d'intérêt au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour conclure une entente au Fonds Région et Ruralité, volet 3. Par attendu la création du Fonds Région et Ruralité dans le cadre du partenariat 2020-2024 pour des municipalités et des régions encore plus fortes, attendu que le Fonds Région et Ruralité se compose de 4 volets et que le volet 3, projet signature, innovation des MRC, s'inscrit dans une perspective de soutien aux MRC dans la réalisation d'initiatives qui contribueront à la mise en valeur de nos particularités. Attendu que par ce volet, le gouvernement du Québec souhaite encourager les MRC à développer ou à se doter d'une identité territoriale forte, s'articulant autour de leur vision de développement. Attendu que l'agglomération de Latuc peut bénéficier d'une enveloppe annuelle de 210 210 $ dans le cadre de ce volet pour une durée de 5 ans. Attendu que l'agglomération de Latuc est désireuse de soumettre son avis d'intérêt afin de conclure une entente pour le volet 3 et qu'une somme de 50 000 $ peut être utilisée afin de définir notre identité territoriale. En conséquence, il est résolu que ce conseil d'agglomération transmet au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation un avis d'intérêt afin de conclure une entente pour le volet 3, projet signature innovation. Que ce conseil autorise la directrice du service de développement économique et forestier, Mme Danielle Rémillard, à compléter et à signer le formulaire d'avis d'intérêt. Que ce conseil demande au ministère d'obtenir une somme de 50 000 $ pris à même la somme attribuée pour l'année 2020-2021 pour l'identification de notre identité territoriale. Que ce conseil d'agglomération autorise la directrice du service de développement économique à signer tout document visant la mise en place d'une entente avec le ministère dans le cadre du volet 3. Et que ce conseil identifie le projet revitalisation du centre-ville comme projet retenu dans la mise en opération technique et financière du volet 3. Merci. Ça me prendrait un proposeur, Mme Duchesne, appuyé par... Appuyé. M. Fortin. Merci. Un commentaire, M. le Président, c'est que dans cette enveloppe d'argent-là, c'est pour revitaliser le centre-ville. On sait que le centre-ville, ça fait quelque temps qu'il a été un petit peu... dans la même image, fait qu'on veut regarder pour faire changer cette image-là un peu du centre-ville, faire des lieux accueillants, puis on va regarder au niveau du système d'éclairage, on va apporter des corrections au niveau de l'environnement, au niveau de Noël, ces choses-là, fait qu'on va apporter un petit peu de gaieté au centre-ville, là, ce qui n'a pas été fait pendant quelques années. Fait que ces argents-là vont servir pour ça conjointement avec différents organismes, on va étudier les réserves pour ces choses-là. Oui, très beau projet en passant. Puis en plus, ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est tout payé par le gouvernement. C'est qu'aucune scène ne va être prise à même les comptes de taxes des citoyens. On parle d'une enveloppe d'au-dessus d'un million. Ouais. Merci. Point 10, autorisation de signature avenant numéro 11 au contrat de prêt, au contrat de prêt financier avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Attendu qu'un contrat de prêt est intervenu le 24 avril 2020 entre l'agglomération de Latuc et le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour l'établissement de mesures spécifiques d'appui aux entreprises touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le cadre du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Attendu que ce contrat précise les modalités du programme et les modalités de remboursement du prêt consenti à l'agglomération par le gouvernement.
attendu que le gouvernement du Québec a autorisé des modifications aux normes et modalités du programme afin de prolonger à nouveau le moratoire de remboursement du capital et des intérêts jusqu'au 30 juin 2022, ainsi que le remboursement des sommes versées à la municipalité et non utilisées aux fins du programme au 30 septembre 2022, attendu qu'il y a lieu d'apporter des modifications au cadre d'intervention du contrat de prêt au programme par la signature d'un nouvel avenant. En conséquence, il est résolu que ce conseil d'agglomération autorise le président, M. Luc Martel, à signer pour et au nom de l'agglomération de Latuc l'avenant numéro 11 au contrat de prêt dans le cadre du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, ainsi que tout document relatif à la présente résolution. Merci. Ça vous fait plaisir de la signer, l'avenant. Là, c'est surtout anticlérical, mais j'aime mieux l'avenant numéro 10 où ce qu'on a reçu 150 000 $. Fait que j'espère que les prochains, on va recevoir de l'argent encore. Fait que ça me prendrait un proposeur. Madame Duchesne, appuyée par Monsieur Bernier. Merci. Item 11, autorisation de signature, avenant numéro 2 à l'entente de partenariat régional et en tourisme et la région de la Mauricie. Oui, alors attendu qu'en vertu de l'article 15.5 de l'entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022, une modification peut être apportée à son contenu par écrit avec l'accord des partenaires. Attendu la bonification du ministère du Tourisme d'une somme supplémentaire de 96 036 $ à l'entente provenant des sommes non engagées du volet 2. Attendu que les partenaires désirent modifier le plan de financement du volet 3 de l'entente afin de bonifier le soutien au projet de développement de l'offre touristique régionale. En conséquence, il est résolu que ce conseil d'agglomération autorise le président, M. Luc Martel, et le directeur général adjoint greffier, M. Jean-Sébastien Poirier, à signer pour et au nom de Ville de Latuc l'avenant numéro 2 à l'entente de partenariat régional en tourisme avec l'Association touristique régionale de la Mauricie, ainsi que tout document relatif à la présente. Merci. Voilà un bel exemple aussi que quand on ne joue pas à la chaise vide et qu'on fait des représentations, bien, on peut retirer des dividendes. C'est fait que ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Godreau, appuyé par... Secondé. Monsieur Fortin. Merci. Item 12. Désignation, élus fonctionnaires et représentants municipaux au sein du comité de priorisation du Fonds de gestion des terres publiques. Alors, attendu que l'agglomération de Latuc soutient financièrement la réalisation de projets en voirie forestière ou à caractère environnemental d'intérêt collectif sur son territoire via le Fonds de gestion des terres publiques, attendu qu'en vertu de la politique, les membres du comité de priorisation du Fonds de gestion des terres publiques analysent annuellement les projets déposés jusqu'au 1er mai. En conséquence, il est résolu que ce conseil d'agglomération désigne les élus représentants municipaux suivants pour siéger au sein du comité de priorisation du Fonds de gestion des terres publiques. Alors, les conseillers, M. Éric Chagnon, M. Clément Dubé, ainsi que M. Larry Bernier. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Proposez-moi. M. Dubé, appuyé par... L'appuyé. M. Chagnon. Merci. Peut-être que j'aimerais ça, M. le maire, si vous permettez de ben oui. Juste passer des commentaires concernant le fonds de gestion des terres publiques. Oui, allez-y. OK. Ça, c'est important de que les gens sachent que quand ils payent des taxes, surtout en villégiature, il y a la moitié du montant qui est remis au gouvernement du Québec, puis il y a l'autre moitié du montant qui est mis dans le fonds de gestion des terres publiques. Ça permet de redistribuer de l'argent à des associations de villégiateurs, à des ZEC, pour de la réfection de chemin, pour améliorer les accès à ces gens-là, parce qu'on sait que quand l'industrie forestière est passée, bien, à ce moment-là, les chemins ont souvent tendance à se refermer, il y a des castors qui causent des problèmes de chemin, la forêt, ça repousse, fait que c'est important qu'on remette une partie de cet argent-là à ces villégiateurs-là pour qu'ils puissent améliorer l'accès à leur chemin, puis je pense que c'est bien apprécié. C'était mon commentaire. Bon commentaire, M. Chagnon. Alors, ça me prend... C'est fait. Oui. Bon. On s'en va à l'item 13. Résolution d'appui pour le peuple ukrainien. Alors, attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine et se faisant à violer les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens ukrainiens.
Attendu qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre nations. Attendu que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes. Attendu la volonté des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler ces conflits. Attendu la volonté de la Fédération québécoise des municipalités, des élus et de la population québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien. En conséquence, il est résolu que l'agglomération de Latuc se joint à la Fédération québécoise des municipalités pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie, que l'agglomération de Latuc demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse, que l'agglomération de Latuc invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien, que l'agglomération s'engage à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser si elle est sollicitée pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur son territoire, que ce conseil d'agglomération verse un don de 1 000 à la Croix-Rouge canadienne, que copie de cette résolution soit transmise au premier ministre du Canada, à la ministre des Affaires étrangères, au premier ministre du Québec, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de la Russie, ainsi qu'à la Fédération québécoise des municipalités. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Monsieur Bernier, puis je pense que ça devrait être unanime. 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 Merci. On va passer aux commentaires du président. Je vais les garder pour la réunion de proximité. Alors, je vais aller avec M. Bernier. Alors, moi, je pense qu'on a adopté plusieurs résolutions ce soir. Des fois, ça peut paraître beaucoup de bureaucratie, là, mais derrière chaque résolution, vous avez remarqué, il y a des argents qui arrivent là, et qui vont être redistribués dans notre agglomération. Donc, c'est un plus. Fait qu'il faut passer par cette bureaucratie-là, nécessaire, obligatoire, qui des fois, c'est ennuyant. Et la dernière résolution qu'on vient d'adopter, c'est très important parce que c'est la situation qui se vit présentement dans ce pays-là, c'est un pays aussi pacifique que le nôtre, puis qui était de l'autre côté de sa frontière avec un pays qui veut les dominer. Alors, imaginons-nous que ça nous arrive, nous autres ici, là, qu'un Trump de ce monde décide de nous envahir. Par où on peut aller? Au nord? Au nord, c'est la Russie. Alors, voyez-vous, donc, c'est important que face à des situations comme ça, qu'on les dénonce puis qu'on montre notre appui envers les pays pacifiques parce que c'est pas la façon de régler des conflits, là. Alors, moi, je suis d'accord qu'on ait adopté ça. D'ailleurs, on a fait la même chose à la Bostonnais puis à la Lac-Édouard, on a adopté la même résolution. Merci. Monsieur Fortin. Je n'ai pas de commentaire, monsieur. Monsieur Dubé. Non, aucun commentaire, on va attendre tantôt. C'est bon. Madame Duchesne. Aucun commentaire, ça va très bien. Monsieur Godreau. Très heureux d'être en présentiel, puis de nouveau côtoyer les gens de la Bostonnais et du Lac-Édouard. Merci. Madame Ouellet. Bien, je vous souhaite une bonne soirée, puis juste pour dire que le conseil municipal est complet, et le bureau municipal aussi, on a trouvé une secrétaire et une directrice générale, puis ça va très bien. Fait que je souhaite une bonne soirée à tous, merci beaucoup. Merci. Monsieur Chagnon. Je n'ai pas de commentaire pour l'instant, monsieur le maire. Merci. Alors, on va aller aux questions des médias. Questions du public? Moi, je n'ai reçu aucune question. C'est bien. Dans le public, tout est beau. Venez au micro, madame. Vous vous nommez? Bonjour, c'est Julia Côté. J'avais une question. Il est paru un avis public d'appel de candidature qui prenait fin le 8 mars concernant le secteur de l'agglomération pour des sous-conseillers ou comme participants. Ça, juste peut-être expliquer un petit peu c'est quoi la nature. C'est dans quel secteur, madame, que vous aviez appliqué? Ben, en fait, c'est nous, on est au lac Latuc. Ah, OK. Je voulais savoir comment que ça fonctionnait parce que dans le fond, c'était juste un appel de candidature dans les journaux, puis okay. On n'avait pas la nature d'un petit peu de cet appel de candidature. C'est bien. M. Dubé va vous expliquer. C'est, on a demandé parce que nous, vu qu'on est grand à l'extérieur de la ville de Latuc, on a des conseils de quartier. Okay.
Puis si tu calcules l'accroche, on a un conseil de quartier pour l'accroche, on a un conseil de quartier pour la couronne royale. Puis c'est ça la demande qu'on a faite, celui-là qui est intéressé de rentrer dans le conseil du quartier. Mais il y a quelqu'un dans votre coin à vous, là, Lac Latuc, qui a donné son nom, puis qu'on a accepté. OK. Puis dans le fond, ces personnes-là vont travailler tous avec vous pour un petit peu couvrir le territoire puis voir les besoins qu'il y a sur le territoire? C'est sur les autres. À ce moment-là, d'habitude, ils font nos yeux puis notre écoute. Après ça, on se rencontre puis on discute des problèmes puis tout ça. Puis c'est pas un comité divisionnel, par exemple. C'est un comité qu'on se rencontre puis on amène ça au conseil ici puis c'est le conseil qui décide là-dessus ce qu'il y a à faire. Mais c'est pour confirmer, là, tantôt le nom va sortir, tantôt, là, fait que vous allez savoir qui est. J'ai une petite idée. OK. Merci beaucoup. Merci. Mais qu'est-ce que vous ajoutez aussi, madame, c'est que lors des soirées de conseil de quartier, le public est appelé à être là aussi, là. OK. Vous pouvez être en présence aussi, là, pour assister à ça. Ça va se dire. Ben, en tout cas, vous allez, j'imagine. Ils vont diffuser les dates, oui. Ouais. Ça va se dire tantôt. Tantôt, vous allez tout savoir ça. Merci beaucoup. OK, merci. D'autres questions du public? Sinon, ben, on va aller à la levée de l'Assemblée. Ça prendrait un proposeur. Madame Duchesne, appuyée par Madame Ouellette. Merci. On va repartir à peu près dans 5 minutes pour proximité.
Merci. Rebonsoir à tous. Le mot de bienvenue a été fait à la première assemblée, alors on s'en va à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Lévesque. Nous n'avons pas d'ajout à l'ordre du jour, Monsieur le maire. C'est bien. Alors, ça me prendrait un proposeur. Le proposé. Monsieur Fortin et Madame Duchesne, merci. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 15 février 2022. Alors, attendu que les membres du Conseil ont reçu copie du dit procès-verbal et en ont pris connaissance, en conséquence, il est résolu que le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 15 février 2022 soit adopté tel que rédigé. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Monsieur Godreau, appuyé par... On le fait, moi, oui. Monsieur Dubé, merci. Oui. Suivi du procès-verbal. Il y avait juste un suivi à avoir, c'est au sujet de Vioreil. Je peux dire que le dossier progresse ou chemine. On ne les lâche pas, là. Les médias, ça s'en accaparé de ce dossier-là aussi. Puis aussi, la semaine passée, on a eu une correspondance de la mairesse de Sainte-Terre qui nous appuie dans nos démarches. Fait que je peux rien que pour dire que ce dossier-là, je pense qu'on va avoir des réponses assez prochainement. Puis si c'est pas dans la place qu'on veut aller, bien c'est sûr et certain qu'on va prendre d'autres moyens pour se faire entendre. Fait que c'est un dossier qui est à suivre. Alors, on s'en va au point 4, correspondance et information. Ministère des Transports du Québec, aide financière de 96 000 $ au programme d'aide à la voirie locale. Et alors, il s'agit d'une correspondance datée du 18 février dernier, transmise par le ministre des Transports, M. François Bonnardel, et adressée à M. Luc Martel. Il s'intitule « Programme d'aide à la voirie locale, volet accélération ». Alors, M. le maire, dans le cadre de la mise à jour économique du 25 novembre 2021, le gouvernement du Québec a annoncé une bonification de l'enveloppe du programme d'aide à la voirie locale pour 2022-2023. Cette bonification a permis au ministère des Transports de financer davantage de projets, des volets de redressement, accélération et soutien. J'ai ainsi le plaisir de vous informer que j'accorde à votre ville une aide financière maximale de 96 064 $ pour le dossier cité en objet. Merci. Bien, c'est sûr que c'est une aide qui est grandement appréciée. Ça s'en va dans le secteur de mon collègue. Puis, je tiens à remercier aussi notre député qui a travaillé dans le dossier. Puis, quand on a des bonnes ententes avec le gouvernement, bien, on peut recevoir des belles nouvelles de même. Alors, on s'en va au point 5, rapport des permis de construction pour le mois de février 2022. Alors, pour le mois de février dernier, il y a 20 permis qui ont été émis pour une valeur des travaux de 327 560 $. À titre comparatif, en février 2021, donc l'an dernier, il y avait 35 permis qui avaient été émis pour le mois de février pour une valeur des travaux de 1 668 077 $. Il s'agit donc d'un écart négatif cette année de 15 permis, pour un écart négatif d'une valeur des travaux de 1 340 517 $. Si nous regardons le cumulatif depuis les débuts de l'année 2022, nous en sommes à 35 permis émis versus 51 l'an dernier à pareille date, ce qui fait un écart négatif de moins 16 permis. Et nous en sommes à une valeur des travaux de 702 775 $ versus 2 100 606 $ l'an dernier. Il s'agit donc d'un écart négatif de 1 397 831 $, principalement dû à un contrat de grande valeur l'an dernier qui avait été émis un permis au montant de 1 228 000 $ pour la nouvelle guérite au centre de transfert. Merci. À l'item 6. Il n'y avait rien à direction générale. En 7, je laisse mon collègue, M. Dubé. Merci. Demande de dérogation mineure numéro 2022-010 et 2022-011. Alors, attendu que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des deux demandes de dérogation mineure suivantes. Or, la demande numéro 10, qui concerne le 554-556 rue Bostonnet, qui vise à permettre que le nombre de cases de stationnement soit de 7 plutôt que 11, en plus de permettre l'ajout d'un stationnement en cour avant plutôt qu'en cour latérale ou arrière, et permettre également l'installation d'un escalier à 1,3 m plutôt qu'à 1,5 m de la marge latérale. Et la dérogation numéro 11 qui concerne le domaine Van Broussel, afin de permettre le lotissement de deux terrains avec une profondeur de 41,32 m plutôt que de 42 m,
attendu les avis favorables donnés par le comité consultatif d'urbanisme sur ces deux demandes lors de la séance tenue le 28 février dernier, attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. En conséquence, il est résolu que les deux demandes de dérogation mineure numéro 2022-010 et 2022-011 soient acceptées ou refusées. Merci, Mme Lévesque. Ça me prendrait un secondaire. Merci, Mme Doris. 7.2. Demande d'occupation du domaine public permanent de l'immeuble situé au 688-690-B, rue Saint-Antoine. Alors, attendu qu'une demande d'autorisation d'occupation du domaine public à titre permanent a été déposée à la Ville de Latuc. Alors, il s'agit de l'adresse située au 688-690-B, rue Saint-Antoine, par Mme Gaétane Tremblay. L'objet de la demande vise à régulariser l'empiètement de la frise du bâtiment, de la rampe d'accès du bâtiment et de la galerie, de la remise ainsi que la frise dans la ruelle, des escaliers, la galerie, le balcon, ainsi que l'empiètement du béton sur la rue Saint-Antoine et la ruelle, ainsi que les deux clôtures érigées dans la ruelle. Donc, attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme lors de la séance tenue le 28 février dernier, attendu que la Ville n'en subit aucun préjudice. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal autorise de façon permanente l'occupation du domaine public pour la demande jugée favorable par le comité consultatif d'urbanisme et que les frais inhérents à cette demande soient fixés à 1 000 tels que prescrits par règlement. Merci, Mme Lévesque. On va prendre un secondeur. Secondé. Monsieur Godreau. Merci. 7.3. Mandat au procureur M. Yves Chenet de la firme Bélanger-Sauvé, avocat, représentation pour la Ville de Latuc dans le cadre d'un litige relatif au 288 rue Saint-Michel. Or, attendu qu'un litige a récemment été judiciarisé par une procédure en injonction relativement à une situation d'empiètement de murets de soutènement bordant la propriété située au 288 rue Saint-Michel. Attendu que la déclaration en injonction interlocutoire fut signifiée à la Ville de Latuc en janvier 2022. Attendu que ce conseil désire mandater le procureur Maître Yves Chenet de la firme Bélanger-Sauvé Avocat afin de représenter Ville de Latuc dans le présent dossier. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal mandate le procureur Maître Yves Chenet de la firme Bélanger-Sauvé à représenter Ville de Latuc relativement au dossier du muret de soutènement situé en front de l'immeuble du 288 rue Saint-Michel et que ce conseil municipal autorise le directeur général adjoint et greffier à signer pour et au nom de Ville de Latuc tout document visant à donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Lévesque. Prends-tu un secondaire? Un secondaire, s'il vous plaît. Un secondaire. Oui, Monsieur Fortin, merci. 7.4. Occupation domaine public du muret de soutènement situé au 288 rue Saint-Michel. Attendu qu'une situation d'empiètement s'est révélée au mois d'avril 2021 relativement au muret de soutènement bordant la propriété de Mme Anne Leclerc située au 288 rue Saint-Michel et que cette situation est devenue litigieuse. Attendu que ce litige a récemment été judiciarisé au moyen d'une procédure en injonction au mois de janvier 2022. Attendu qu'une audience est prévue le 23 mars prochain devant le tribunal. Attendu que la Ville de Latuc conteste les prétentions de la demanderesse. Attendu que la Ville de Latuc ne doit pas engager de fonds publics dans des ouvrages ou des constructions qui sont de propriété d'intérêt exclusivement privé. Attendu que le muret en cause n'a jamais été reconnu par le Conseil comme un bien public et que Ville de Latuc prétend qu'il s'agit d'un ouvrage exclusivement privé appartenant au propriétaire du 288 rue Saint-Michel. Attendu que dans de telles situations sont courantes sur le territoire de la municipalité, laquelle a mis en place en 2010 un règlement municipal visant à régir les empiètements privés sur le domaine public. Attendu que la situation d'empiètement concernée par les procédures doit être traitée conformément aux dispositions du règlement municipal numéro 1145-2011. Attendu qu'il y a lieu de valider le mandat attribué au consultant, de produire au nom de Ville de Latuc un rapport d'expertise quant à la situation du muret de soutènement en cause. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal autorise et mandate le consultant et ingénieur M. Tom Cournoyer afin de produire une expertise relativement au muret de soutènement en front de la résidence située au 288 rue Saint-Michel et ainsi rendre témoignage auprès du tribunal à sujet
que ce conseil s'engage à examiner une éventuelle demande d'autorisation d'occupation du domaine public formulée dans le respect des dispositions des articles 19 et suivants du règlement municipal et que ce conseil se réserve le droit à l'absence d'une éventuelle demande d'autorisation ou en cas de refus de réclamer conformément aux dispositions de l'article 46 du règlement l'enlèvement de l'empiétement par voie judiciaire si nécessaire. Merci, Mme Lévesque. On va prendre la seconde heure. Merci, M. Claude. 7.5. Autorisation, demande d'installation d'un abri d'hiver temporaire au 278-C, rue Saint-Joseph. Mme Cathy Roloff, -P1A. PIA. plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, attendu que Mme Cathy Roloff a déposé à la Ville de Latuc une demande visant l'installation d'un abri d'hiver temporaire au 278 rue Saint-Joseph, attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance tenue le 31 janvier 2022, sous la réserve du déplacement de son emplacement à la limite nord de la propriété. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal autorise la demande d'installation d'un abri d'hiver temporaire au 278 rue Saint-Joseph, conditionnel à ce que l'abri soit déplacé et implanté à la limite nord de la propriété, de façon à ce qu'il soit accessible de la rue Tessier. Merci, Mme Lévesque. On va prendre la seconde heure. Secondé. Merci, M. Fortin. 7.6. Nomination des membres conseillers de quartier de La Croche. Alors, attendu que suite aux élections municipales du 7 novembre dernier, il y a lieu de reformer le conseil de quartier de La Croche. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal désigne les membres suivants pour siéger au conseil de quartier de La Croche, soit M. Clément Dubé, le conseiller, qui agit à titre de président, Mme Christine Meilleur, Mme Sylvie Lebel, M. André Goyette ainsi que M. Jean-Marc Goudreau, et que les membres du comité reçoivent pour chaque présence à une réunion une rémunération d'un montant de 75 $. Merci, Mme Lévesque. Ça me prendra un second heure. Je vois. Mme Doris, merci. Je veux juste, peux-tu rajouter un petit peu de quoi, M. le Président? Bien sûr. Je voulais juste, c'est possible, des personnes qui ont été nommées là, pour le secteur de La Croche, c'est possible de se lever debout pour... fait une petite présentation, là. Monsieur Jean-Marc Goudreau. Non, tu peux rester à ta place, oui. Oui. OK. Ah, puis, vous êtes connu à La Croche. OK. OK. Merci beaucoup. C'est ça que je voulais dire, justement, M. Goudreau, ça va être lui qui va être mes yeux et mon écoute pour le Rambeau-Mont. Merci. Et à Mme Christiane Meilleur. Merci beaucoup. Bienvenue. Madame Sylvie Lebel. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Monsieur André Goyette, lui, il n'est pas connu beaucoup, mais Monsieur Goyette. Moi, je suis le secteur La Croche depuis 1974. J'ai fait partie de un conseil municipal et de faire un institut. À la fusion de 2003. J'avais quelqu'un à vous mettre conseil, pour me vous conseiller. C'est pour ça que j'ai décidé de poser ma candidature là-dessus. Parce que, on parle plus de ce point-là, parce que quand je commence dans les 14, dans un paquet de services, et là, il reste un gros chagrin, un collier. Oui, beau, M. Goyette. Vous acceptez pour ça, on va travailler fort. Merci beaucoup. OK. Merci, bonne soirée.
7.7, nomination des membres du conseil de quartier de Couronne-Ruale. Attendu que suite aux élections municipales du 7 novembre dernier, il y a lieu de reformer le conseil de quartier de la Couronne-Rurale. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal désigne les membres suivants. Donc, M. Clément Dubé, le conseiller municipal qui fait office de président, Mme Denise Hébert, M. Rémi Bélanger, M. Frédéric Lavergne, M. Claude Boudreau, M. Guy Saint-Amand, ainsi que M. Réal Tremblay, et que les membres du comité reçoivent pour chaque présence à une réunion une rémunération d'un montant de 75 $. Merci, Mme Lévesque. On va prendre la secondeur. La secondée. Merci, M. Fagnon. C'est la même chose pour les personnes-là. Je sais qu'il y a du monde à soir ici. Ça, c'est possible. J'aimerais bien ça. Ah, c'est super. Je voulais vous présenter un petit peu, là. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Claude. Monsieur Claude, oui. Monsieur Claude, c'est ton année chanceuse. Commentaire positif. j'ai décidé de m'embarquer avec M. Dupé dans cette histoire pour essayer d'améliorer certaines choses. Merci, c'est bien apprécié. Monsieur Frédéric? Oui, bonjour. Merci pour l'acceptation de ma candidature. Ça fait plaisir. Je suis à Cabo depuis 10 ans. Ma jeunesse, mes grands-parents, il y avait la maison avant. De l'association des propriétaires et vins de Cabos. Donc, maintenant, avec le rôle que j'occupe pour l'association, je pense qu'il va être en mesure de conseiller ce secteur-là. Je viens représenter les intérêts des vins qui sont. Merci beaucoup. Monsieur Tremblay, Réal. Merci beaucoup. Je vais juste à rajouter que monsieur, j'avais appelé monsieur Saint-Amand deux fois aujourd'hui. Je n'ai pas eu de réponse pour l'inviter à soir. Puis monsieur Bélanger, mais je pense qu'il est en porte-côté. Je pense qu'il fait de la musique, là. Fait qu'il avait rendez-vous à 7 heures, puis il ne pouvait pas être ici, mais il était ici d'en penser. Fait que merci à vous tous d'avoir embarqué dans cette belle aventure. Nomination des membres conseil de quartier du secteur de Parent. Alors, attendu que suite aux élections municipales du 7 novembre dernier, il y a lieu de reformer le conseil de quartier du secteur de Parent. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal désigne les membres suivants pour siéger au conseil de quartier de Parent. Donc, M. Éric Chagnon, le conseiller du secteur qui fait office de président, Mme Carole Labonté, Mme Nicole Labrèche, M. Régent Bouchard ainsi que M. Jacques Geoffroy, et que les membres du comité reçoivent pour chaque présence à une réunion une rémunération d'un montant de 75 $. Merci, Mme Lévesque. Ça me prendrait un secondeur. Je vais seconder. Merci, M. Chagnon. Avez-vous de quoi rajouter, M. Chagnon, ou... Non, il n'y avait pas de commentaires précis. Je pense que je n'avais pas invité personne ce soir. Puis on va les laisser se reposer. On va avoir beaucoup de travail. Merci beaucoup. 7.9. Désignation élus fonctionnaires et représentants municipaux de la ville de La Tuque, ces gens au sein du comité d'organisation ou organisme. Alors, attendu que suite à la révision annuelle de la composition des membres siégeant au comité de ville de La Tuque, il y a lieu de renommer certains élus et fonctionnaires délégués. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal désigne les élus et fonctionnaires suivants.
Donc, au comité de pilotage pour la démarche Municipalité Amis des aînés, la conseillère Mme Doris Duchesne. Au comité marketing territorial, les conseillers M. François Fortin ainsi que M. Michel Pronovo. Au comité de revitalisation du centre-ville, les conseillers M. François Fortin et Michel Pronovo, et que la composition des comités soit révisée annuellement. Merci, Mme Lévesque. Prendre un secondeur. Secondé. Merci, M. Godreau. C'est pour moi. On va aller à l'item 8, trésorerie. Mme Duchesne. Adoption et compte à payer ou à ratifier pour le mois de février 2022. Alors, au niveau des comptes à payer pour le mois de février 2022, on retrouve au fonds d'administration une somme de 1 423 145,90 au fonds d'immobilisation, une somme de 156 129,46 au service de la dette, 103 977 les salaires nets et remises au gouvernement, 714 421,25 les cartes de crédit, 5 639,85 les paiements préautorisés, 173 471,42 ce qui totalise une somme de 2 576 784,88 pour le mois de février 2022. Si je peux ajouter, Monsieur le maire, j'ai participé à la rencontre du comité de finances hier matin. Donc, un peu comme vous le savez, là, on a les mêmes contraintes que les citoyens, ça veut dire que des augmentations au niveau du déneigement, l'énergie autant que l'électricité. Donc, on est dans les mêmes contraintes là, qui fait en sorte qu'on a des augmentations là, assez importantes là, à ce niveau-là. Mais je dirais quand même là, qu'on s'en vient avec des bonnes nouvelles qu'on devrait avoir là, dans les prochains conseils là, qui va avoir lieu au courant de l'année. Et je propose, et qui seconde? Je vais seconder. Donc, le 8.2, dépôt certificat relatif au déroulement d'une consultation publique écrite et d'une tenue de registre règlement d'emprunt numéro 542-2022, 543-2022, 544-2022. Alors, attendu que lors de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal tenue le 15 février 2022, le Conseil a adopté les règlements suivants. Alors, il y avait le règlement 542-2022 qui consiste en un emprunt au montant de 745 500 pour la réfection de rues, trottoirs, pavages, signalisations et chemins ruraux. Le règlement 543-2022, un emprunt au montant de 670 600 pour la réfection et l'aménagement de divers parcs et infrastructures de loisirs. Ainsi que le règlement 544-2022, au montant de 368 000 pour la réfection de bâtiments municipaux. Attendu que le 28 février dernier, un registre préparé aux fins de l'enregistrement des personnes habiles à voter sur ces règlements a été tenu à l'Hôtel de Ville de la Tuque ainsi qu'au bureau municipal du secteur parent. Attendu qu'une consultation écrite s'est également déroulée sur ces règlements sur une période de 15 jours. Attendu que le nombre de personnes habiles à voter requis pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin référendaire sur ces règlements était de 900 et ce nombre n'a pas été atteint. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal prend acte du dépôt des certificats attestant qu'aucune demande n'a été formulée par les personnes habiles à voter dans le cadre du registre et de la consultation écrite relativement au règlement d'emprunt précité tel que préparé par le directeur général adjoint et greffier, M. Jean-Sébastien Poirier, et que ce conseil municipal poursuit le processus et soumet les 10 règlements à l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je propose qui seconde? Je vais seconder. 8.3. Dépôt du rapport des activités électorales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Alors, attendu que l'article 513 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités stipule que le trésorier doit déposer le rapport des activités électorales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 au Conseil municipal. En conséquence, il est résolu que ce Conseil accepte le rapport des activités électorales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, préparé par la trésorière Mme Christine Gervais et déposé le 15 mars 2022.
OK, excusez. Je propose qui seconde? Secondé. Parfait. J'aurais peut-être une petite question là-dessus. Je regarde ça, là, puis j'en ai pris connaissance, justement, là, dernièrement. C'est que tous les candidats à la dernière élection ont respecté, justement, les limites de dépenses, sauf un. Puis, M. Poirier, vous étiez président d'élection. J'aimerais savoir c'est quoi les conséquences de la personne qui a enfreint la loi sur les dépenses électorales. Oui, bien, je vais répondre un peu. Oui, j'étais président d'élection, mais cependant, au niveau des dépenses et le financement électoral, c'est plus ma collègue, Mme Gervais. Mais effectivement, il y a des limites maximales au niveau des dépenses électorales. Donc, chaque candidat a une limite à dépenser pour mettre tout le monde un peu sur le même pied d'égalité au niveau de leur campagne électorale. Donc, dans le cas d'un candidat, effectivement, il y a un montant de 200 $ de plus qui a été, qui a dépassé le seuil maximal, je vous dirais, au niveau des dépenses électorales de 200 $ Donc, à ce moment-là, l'information est remise entre les mains du directeur général des élections du Québec et c'est lui qui va prendre les moyens appropriés là, selon la loi que lui a l'obligation de faire appliquer aussi. Là. Mais ce n'est pas nous, hein, M. le maire, qui décidons des sanctions. C'est vraiment remis entre les mains du directeur général des élections du Québec. Bon, c'est bien. Fait que merci beaucoup des explications. Je propose qui seconde? Un secondé, moi. Merci. Eh bien, on va aller à thème 9, sécurité incendie, M. Fortin. Oui. L'adoption du rapport d'activité annuel 2021, schéma de couverture de risque incendie, comme vous comprendrez dans l'autre, dans l'agglomération, il fallait le dire, puis dans la ville de Latuc aussi, parce que les paliers du gouvernement, ça ne parle pas, donc il faut l'envoyer à deux endroits. Fait que, on répète la même affaire, mais je vous dis, c'est le même sujet. Attendu que Ville de Latuc doit adopter par résolution et transmettre annuellement au ministre de la Sécurité publique un rapport d'activité du schéma de couverture de risque incendie pour l'exercice précédent et les projets pour la nouvelle année en matière de sécurité, le tout en vertu de l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie. Attendu que Ville de Latuc doit assurer le suivi de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal prend acte et approuve le rapport d'activité annuelle de mise en œuvre du schéma de couverture de risque incendie pour la période de juillet 2020 à juillet 2021. Tu vas me prendre un secondaire? Oui, tu prends le secondaire. C'est Dubé. On va aller à thème 10, travaux publics et services techniques. Monsieur Fortin. Oui. Adjudication des travaux de pavage de rues urbaines et rurales 2022, VLT 2022-006. Alors, attendu que lors d'un appel d'offres public qui se terminait le 22 février dernier, 5 soumissions ci été reçues, telles que décrites ci-après. Or, il y avait le soumissionnaire PAFCO Incorporé de Shannon, au montant de 370 306 $ Maskimo Construction Incorporée de Trois-Rivières, au montant de 424 175 $ Eurovia Québec Construction Incorporée de Shawinigan, au montant de 517 755 $ Sintra Incorporée, région de la Mauricie, centre du Québec, de Mont-Royal, 565 775 $ ainsi que Construction Épavage Boisvert Incorporée de Saint-Étienne-des-Grès, au montant de 632 135 $ En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour les travaux de pavage de rues urbaines et rurales au plus bas soumissionnaire conforme, soit PAVCO Incorporé de Shannon, au montant de 370 306 $ taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicateur s'engage à respecter, et que cette adjudication soit conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ça va me prendre un secondaire. Monsieur Gaudreau. 10.2. Adjudication, fourniture et pose de béton bitumineux. VLT 2021, Trédunion 005. Attendu que lors d'un appel d'offres public qui se terminait le 22 février dernier, une seule soumission a été reçue, provenant de l'entreprise PAVCO Incorporée de Shannon, au montant de 73 500 $ En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour la fourniture et pose de béton bitumineux au seul soumissionnaire conforme, soit PAVCO Incorporé, au montant de 73 500 $ taxes exclues,
conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicateur s'engage à respecter. Bon, un secondaire, Doris. Merci. 10.3. Adjudication de réflexion des infrastructures de la rue Saint-Louis, VLT 2022, Trédillon 002. Attendu que lors d'un appel d'offres public qui se terminait le 24 février dernier, trois soumissions ont été reçues. La première soumission nous provient de Bétonnière Latuc Incorporée de Latuc au montant de 936 358,83. La deuxième soumission de Action Projects Incorporée de Sainte-Marie au montant de 1 021 650. Et la dernière soumission de Construction et Pavage Bois Vert Incorporée de Saint-Étienne-des-Grès au montant de 1 360 681. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour la réfection des infrastructures de la rue Saint-Louis au plus bas soumissionnaire conforme, soit Bétonnière Latuc Incorporée de Latuc, au montant de 936 358,83, taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicataire s'engage à respecter, et que cette adjudication soit conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales. Ça va me prendre un secondaire. On va faire ça, mon ami. Oui. 10.4. Adjudication et reconstruction du tablier du pont Piste cyclable Petite Rivière-Bostonnais, VLT 2022, trait d'union 009. Alors, attendu que lors d'un appel d'offres public qui se terminait le 24 février, neuf soumissions ont été reçues. Or, il y avait Bétonnière Latuc de Latuc au montant de 106 570,35, les Constructions Rendeurs Incorporées de Bury au montant de 137 695, Construction Pont-Vicom Incorporée de Québec au montant de 148 999,99, Parco Incorporée de Québec 166 194,96, Construction FGK Incorporée de Gatineau, montant de 166 669,13, Construction Domi Incorporée de Dolbeau-Mistassini, montant de 168 250, Indico Incorporée de Carignan, montant de 169 024,97, Construction Lavigne et Barry Incorporée de Bécancour, 191 420, ainsi que les Constructions Hydrospec Incorporées de Cap-Santé au montant de 196 100. En conséquence, il est résolu que ce conseil accorde le contrat pour la reconstruction du tablier du pont de la piste cyclable de la Petite Rivière Bostonnais au plus bas soumissionnaire conforme, soit Bétonnière Latuc de Latuc, au montant de 106 570,35, taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicateur s'engage à respecter. Ça va me prendre un secondaire, s'il te plaît. Madame Doris, merci. 10.5. Rejet de soumission. Forage de puits d'observation pour les lieux d'enfouissement en tranchée. LEET, Ville Latuc Inventaire, INV, 2022, trait d'union 004. Attendu que lors d'un appel d'offres sur invitation qui se terminait le 24 février, une seule soumission a été reçue, soit de Englobe Corporation de Chicoutimi, au montant de 113 800. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal rejette la soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres pour le forage de puits d'observation pour les lieux d'enfouissement en tranchée, et ce, pour des raisons de dépassement de coûts, et que ce conseil municipal autorise le directeur du service technique à retourner en appel d'offres public en modifiant le devis pour lequel nous sommes allés en appel d'offres. Ça va me prendre un secondaire, s'il te plaît. Monsieur Godreau. Merci, Monsieur Fortin. J'aimerais ajouter, le conseil de ville là, tient quand même là, particulièrement à souligner qu'il est très content là, que les investissements qu'on fait là, puissent revenir à des entreprises locales. Là. Il y a quand même deux contrats là, qui ont été octroyés à Bétonnière Latuc. Fait qu'on en est très fiers. Puis je pense que c'est signe qu'on peut être compétitif. Là. Donc, on tenait à le souligner. Merci, M. Godreau.
On va aller maintenant à urbanisme et développement de territoire. Monsieur Chagnon. T'as fini, toi, François. Merci. La face dans l'entrée, en plan. Allez, monsieur Chagnon. Merci. Point 11, urbanisme et développement du territoire. Second projet de développement, le projet de règlement numéro 1000-177-2022, modifiant le règlement numéro 1000-177-2014 relatif au zonage de la ville de Latuc. Alors, attendu que la modification proposée consiste à améliorer le règlement de zonage, attendu que la ville de Latuc souhaite encadrer les prêts à camper sur son territoire, attendu l'avis favorable émis par le comité consultatif d'urbanisme lors de sa rencontre tenue le 29 novembre 2021, attendu l'avis favorable également émis par le comité d'urbanisme lors de sa rencontre tenue le 31 janvier suite à un ajout aux modifications réglementaires, attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 1er mars, ainsi qu'une consultation écrite également tenue du 17 février au 3 mars sur le premier projet de règlement, attendu la présentation et le dépôt du projet de règlement et qu'un avis de motion avec dispense de lecture a dûment été donné lors de la séance ordinaire tenue le 15 février par le conseiller M. Michel Pronovost. En conséquence, il est résolu que le second projet de règlement numéro 1177-20-2022, modifiant le règlement numéro 1177-2014 relatif au zonage de la ville de Latuc, soit adopté tel que rédigé. Je m'en fais le proposant, je vais avoir besoin d'un appui. Je vais t'appuyer ça, mon ami Eric. Oui, M. Clément. Juste pour ajouter un complément d'information là-dessus, ça, c'est un règlement qui visait à encadrer les différents types d'hébergements qui étaient autorisés sur le territoire. C'était suite à une recommandation, une discussion que j'avais eue avec un hébergement sur le territoire, une pauvrerie. Elle voulait offrir différents types d'hébergements, puis je pense que c'était une bonne chose de diversifier les différents types d'hébergements qu'on pouvait offrir à la population, parce que c'est devenu de plus en plus populaire, des carrés de tente, des yourtes. Il y a toutes sortes d'hébergements qu'on peut avoir en forêt. Ça se fait ailleurs. Fait que je pense que c'est une bonne chose de modifier ça pour pouvoir le permettre ici, mais en même temps l'encadrer pour pas que ça devienne quelque chose d'anarchique non plus, là. Fait que je voulais apporter ce complément-là. Très bien. On va aller à l'item 12. Oui. Monsieur Chagnon. Oui. Je vais y aller avec le point 12. Loisirs, culture et développement touristique. 12.1, tarification du service d'animation estivale Camp de jour 2022. Alors, attendu que la ville de Latuc offre un service d'animation estivale pour les jeunes de 5 à 11 ans, attendu que le service d'animation estivale débute le 27 juin et se termine le 12 août 2022, attendu les recommandations de Mme Estelle Paulus, coordonnatrice loisirs, culture, tourisme, événementiel et social, en date du 2 février. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal accepte la tarification du service d'animation estivale concernant les camps de jour de l'été 2022 selon la grille suivante. Alors, pour le forfait de cette semaine, pour un enfant au tarif de 332 $, pour deux enfants, 572 $ et trois enfants et plus, 730 $. Pour les forfaits à la semaine, pour un enfant, 87 $. Pour deux enfants, 147 $ et trois enfants et plus, 184 $. Et les forfaits à la journée, soit pour un enfant au montant de 31 $, pour deux enfants, 53 $ et trois enfants et plus, 67 $. Et la période d'inscription, vous rappelle, c'est du 2 mai au 20 mai sur Internet. Et le camp débute du 27 juin au 12 août. Et que ce conseil municipal applique la politique familiale et autorise le paiement des coûts d'inscription en trois versements et qu'une tarification avantageuse soit proposée pour les familles de deux enfants et plus. Adopté à l'unanimité? Oui, c'est sûr. Oui. Oui. Fait que je me permettrai de remercier l'organisme parental qui avait pris la gestion du camp de jour depuis quelques années. Ça nous a été transféré, fait que la ville va s'occuper du camp de jour à l'avenir. Je sais pas s'il y avait, M. le greffier, aviez-vous des choses à rajouter ou? Non, tout est assez dit. C'est complet? Oui, justement. Merci. Rien pour dire que le parentèle, vraiment, vont retourner dans leur mission.
Puis c'est pour ça qu'ils ont délaissé le camp de jour. Ça fait que nous autres, on l'a repris à pied levé. C'est exactement. Puis juste mentionner que parentèles l'ont exploité durant 9 ans quand même. Fait que c'est pas peu. Donc, les remercier justement pour le service rendu. Puis effectivement, le camp de jour dorénavant va relever de la ville, quand même qu'il relevait de la ville auparavant. Mais c'est notre équipe au niveau du service des loisirs qui vont le gérer. Au niveau de la tarification qui vous a été présentée ce soir, il y a une augmentation de 2 %. Donc, ça représente quelques dollars uniquement. Donc, il y a des tarifs avantageux, justement, comme Mme Lévesque l'indiquait, pour les familles de plus de 2 enfants, pour inviter les gens là, à s'y inscrire. Puis, ils font de belles activités l'été au niveau du camp de jour, qui est à Champagne, à l'école Champagne. Donc, on a la collaboration du centre de service scolaire là, de Chongyan pour, justement, animer et exploiter le camp de jour dans leurs locaux à eux. Merci. Au point 12.2, autorisation de signature entente avec le club adepte du tout-terrain Latuc dans le cadre du Jamboree Quad du 1er au 3 juillet 2022. Alors, attendu pour fin de la tenue de l'événement Jamboree Quad organisé par le club adepte du tout-terrain Latuc, il y a lieu de signer un protocole d'entente relatif aux engagements des parties. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal autorise le maire, M. Luc Martel, et le directeur général adjoint greffier, M. Jean-Sébastien Poirier, à signer, pour et au nom de Ville de Latuc, le protocole d'entente avec le club adepte du tout-terrain Latuc pour la tenue de l'événement Jamboree Quad, qui aura lieu du 1er au 3 juillet 2022, afin d'apporter un soutien technique et matériel. Je m'en fais le proposeur, j'aurais besoin d'un appui. On va t'appuyer ça. Merci. Je vais passer la parole à M. le maire au point 13. Merci, M. Chagnon. Effectivement, on va aller avec le mot du maire et activités à venir. Pour le mot du maire, j'aurais peut-être des petits points. On a parlé de conseil de quartier tantôt. Ce serait peut-être bon d'envoyer une lettre de remerciement aux membres antérieurs qui ont fait partie pour justement leur implication. Ce serait de mise. Aussi, comme je disais tantôt, on a eu plusieurs rencontres, discussions avec pour avoir les appuis pour le dossier Via Rail. Puis j'espère grandement que d'ici quelques semaines, on va avoir des bonnes réponses. Aussi, avec le conseiller de parents, on a eu une rencontre avec le CIUS pour justement parler puis discuter des dossiers préoccupants dans le secteur de parents. Aussi, encore là, on va attendre leurs réponses. L'autre point, c'est que la semaine passée, je vais laisser plus mon collègue tantôt d'en parler plus en détail, mais on a été à Parent, Clova, puis avec Hydro-Québec, mais aussi lors de notre passage, on a arrêté à la réserve de Wemontachi, où ce qu'on a pu avoir une rencontre avec le grand chef François Néachit, qu'on a pu parler des dossiers à venir pour nos deux communautés qui vont être grandement profitables. Il va y avoir probablement des annonces qui vont se faire bientôt. Peut-être mon dernier point, c'est que depuis le mois de novembre, je le dis, on rencontre des investisseurs, des promoteurs, ça n'arrête pas. Puis autant dans le domaine de l'hébergement, PME, le service à la population. En tout cas, j'espère que depuis le mois de novembre, qu'il y en ait un qu'un qui se manifeste, puis on va sortir grandement... ça va être bon pour la communauté. Hein. Puis, comme je disais, je peux pas croire qu'il ne sera pas rien. Ça bouge en tabarouette. Fait que c'est des beaux dossiers qui sont à venir. Si on s'en va dans les activités à cette heure pour la ville, on s'en va avec le Jam des neiges, le pionnier, la descente illuminée le 19 mars 2022 à Ski Latuc. Aussi, le ski va être ouvert jusqu'à 22 heures, pas 22 heures, jusqu'à 20 heures. Il va y avoir un dîner de cabane à sucre aussi le 20 mars à Ski Latuc. Il va y avoir une compétition aussi à Boston Mitt, à Bostonnet, le 26 mars. Il va y avoir la journée Splash Marino le 26 mars à Ski Latuc. Tournoi de hockey, Colin Veillette du 1er au 3 avril au Colisée Denis Morel. Il va y avoir aussi la fin du ski le 3 avril, mais d'ici à ce temps-là, on va vérifier l'achalandage qu'il peut avoir. Parce que si ça reste populaire, puis on a un beau printemps qui se rallonge, ben on aura peut-être une décision à prendre à la table du conseil.
Puis aussi, peut-être, point de vue emploi étudiant, 35 emplois pour Ville de la Tuque cet été. Fait que j'invite les étudiants à appliquer dans différents secteurs qu'on peut avoir pour la ville. Après ça, c'est sûr qu'on va avoir l'item tantôt, période de questions, mais s'il y en a qui ne sont pas à l'aise à aller au micro, le conseil va rester après l'assemblée publique un 5-10 minutes pour jaser avec les gens dans la salle s'ils sont moins à l'aise de venir poser les questions. Alors, on s'en va aux commentaires des conseillers. Monsieur Veillette. À Fortin. Veillette, ah, ça, c'est mon épouse, elle s'appelle Lucie Veillette. Moi, pas longtemps, je ne t'ai pas vu, François. J'étais un garçon, moi. Non, c'est que j'ai annoncé, c'est que le 10 avril prochain, il va y avoir, dans le cadre du ruban rose pour le cancer du sein, il va y avoir une activité qui va être organisée par le Club des Trois Raquettes au Club de golf et de curling, là. Comme plusieurs années, étant donné qu'il y avait la pandémie, il n'y avait pas eu d'activité. Là. Mais là, il va y avoir une activité officielle pour une bonne cause. Je pense que cette cause-là nous tient tous à cœur, que ce soit les hommes ou les femmes. On est tous impliqués dans... On a tous quelqu'un, un membre de notre famille qui est atteint du cancer. Puis je pense que cette chose-là, c'est une bonne affaire à ce sujet. Et en même temps, je voudrais féliciter l'entrepreneur local, Bétonnière Latuque, entre autres, en particulier, pour les deux soumissions qu'il a obtenues ce soir. On voit que les gens de Latuque sont capables d'être aussi compétitifs que les gens de l'extérieur. Donc, il faut encourager nos gens, c'est ce qu'on va faire. Ils travaillent, eux autres, avec des employés locaux. Donc, on va faire travailler des petites familles de la place. Fait que sur ça, c'est mon mot, M. le maire. Merci, M. Fortin. M. Dubé. Moi, je voudrais juste revenir encore un petit peu sur notre conseil de quartier tantôt, expliquer un petit peu plus clairement là, que la madame du lac Latuc, qui on est bien content qu'elle est venue bonne petite ride, venir nous voir. Fait que, merci beaucoup. C'est ça, c'est un des conseils qu'on a soit. Il y avait près de 3 à 4 réunions par année qui est publique. Que le conseil des quartiers fait public, que tout le monde peut venir, même le monde de la TUC peut venir, parce qu'ils ont des chalets dans le bois, n'importe quoi, tout ce qui fait partie de couronne rurale. On a de 3 à 4 réunions. On va essayer de faire au moins 3 réunions par année. Après ça, nous autres, l'exécutif se rencontre quelques fois pour parler de tout, amener des projets, amener des idées, puis tout ça. Puis comme je disais tantôt, je veux que tout le monde soit bien clair là-dessus, que c'est pas un comité décisionnel. C'est beau emmener de quoi, mais il faut aller avec la logique ici, il faut aller avec l'argent, il faut aller avec les règlements, il faut aller avec ici. Fait que c'est sûr que si on n'emmène rien au conseil, on n'aura rien. Mais c'est certain qu'on va travailler pour emmener de quoi. Puis je pense qu'on a un beau conseil qui est ouvert d'esprit. Puis on est bien de ce que c'est qu'on vit. Puis je pense qu'on est tous unanimes pour dire qu'on travaille pour la ville de la Tuque. Il va y avoir la première assemblée de conseil pour l'accroche le 6 avril au centre social à 19h. Après ça, pour la couronne royale, ça va être le 20 avril au centre social ici à 19h aussi, qui est public aussi. Fait que du sud de ça là. Oui, l'accroche, oui. Mais ici, c'est parce que. Ouais, parce que ici, là, c'est secteur couronne rurale. T'sais, on n'ira pas dire couronne rurale, s'en aller à accroche parce que ça n'a pas d'allure. Puis on n'ira pas s'installer dans un rang ou dans un chemin. C'est centré, fait qu'on s'installe ici. T'sais. Fait que c'est ça. Puis j'ai réussi, comme je disais tantôt, je suis content parce que j'ai réussi à avoir du monde pas mal de partout. Il y a peut-être un rang S à l'accroche qu'on n'a pas, mais je pense bien que Mme Christiane puis Mme Sylvie vont se partager les taux sans problème, puis on va travailler tout ensemble. Puis couronne rouillage, je suis content. On est rendu 6, mais c'est pas grave, on va plus de jasettes ce soir, mais qu'on va se voir. Fait que on va être bon pour jaser, puis je suis content, je suis capable de tout boucler, tout le coin. Fait que moi, ce que je vous demande, c'est d'être mes yeux puis être mon écoute. Puis on est capable de se parler, puis on est capable d'attendre n'importe quel temps votre téléphone. C'est sûr qu'à 2 heures du matin, n'importe quel temps, s'il arrive de quoi de majeur, j'aimerais ça savoir, parce que c'est le représentant. Puis je pense que M. Poirier, il va embarquer avec moi sans problème pour aller voir ça. Puis je pense bien qu'on pourra amener M. le maire de temps en temps, s'il arrive de quoi. Hein? Fait que c'est ça. Fait que, en passant, merci beaucoup. Puis après ça, un sujet délicat que j'aime apporter, je ne voudrais pas apporter, mais on est rendu à ce point-là. C'est un sujet que je pense que tout le monde a les yeux clairs là-dessus, c'est le déneigement puis la neige de cet hiver.
Ça, là, ça ne donne rien qu'on se lève debout pour taper ses doigts de la ville de la tuque puis des entrepreneurs. Oui, c'est vrai qu'il y a de quoi à faire, mais il y a de quoi à faire aussi avec les monnaies, peut-être, du monde de la population. Fait que si aujourd'hui, si on serait dans l'étape qu'on est là aujourd'hui, que les rues passent pas, puis regardez, casse ou pas la tête, là, j'arrive de l'extérieur en fin de semaine, puis c'est la même situation, là, même si je m'en vais dans le nord de Montréal, c'est la même situation que ce qu'on est là aujourd'hui. Mais c'est certain qu'on se rendrait le 2, le 5, le 6 février, puis on restera encore un mois et quelques d'hiver. Là, on se lèverait plus debout. Je pense bien que le conseil sera d'accord avec moi pour dire on trouve une solution, puis on va sortir de l'argent, puis on va les nettoyer à la ville de la sucre. Mais là, on est rendu au mois de mars. Comment qu'il tomberait en 5, 6 pouces années encore? Je pense qu'aujourd'hui, on est capable de dire. Si on en gosse, qu'est-ce qui se passe bien, bien loin de nous autres, je pense qu'on est gâtés au Québec, qu'on est gâtés au Canada. Fait qu'il faut savoir apprécier ce qu'on a. Puis je pense qu'on va passer le travail de l'hiver, puis ça va finir. Puis le mois de mars, ça en est bien tout fini. On va dire que ça a été pour faire trop chaud. Fait que là, tu sais. Fait que moi, pour moi, aujourd'hui, je lui demande d'être patient. Puis l'hiver va finir, puis oui, on a d'ajustements à faire. On en parle, nous autres, entre conseillers, avec le maire. On a justement à faire le déneigement, mais on commence cette année. On prend des notes, on regarde, puis l'année prochaine, on verra d'autres choses. Fait que, merci à vous. Puis merci bien. Je suis content qu'on est capable d'avoir du monde aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on veut ça, puis c'est apprécié. Puis, mais c'est pas la question que j'aime pas mes confrères, mes consœurs, mais c'est plaisant d'avoir du monde autour de nous autres. On sent une chaleur humaine, puis on sent appuyé. Puis, s'ils avaient la chance, même si c'était le conseil de quartier, s'ils avaient la chance d'amener du monde de la tuque le mois prochain, remplissez la salle, c'est juste ça qu'on veut. On va avoir du monde qui vienne parler, qui vienne écouter, puis ça va nous renforcer. On va sentir plus appuyé. Fait que merci à vous, merci aux médias, puis bonne soirée. C'est sûr. Bon commentaire, M. Dubé. Madame Duchesne. Moi, je vais aller dans le même sens que M. Fortin. Félicitations aux entrepreneurs de la TUC qui soumissionnent. Ne gênez-vous pas parce que c'est important que ça reste local. Puis j'aimerais féliciter aussi les conseils de quartier. C'est important d'aider Clément parce que vous êtes ses yeux. Puis c'est tellement beau de vous voir asseoir que le monde veut s'impliquer. Je trouve ça très, très, très apprécié, en tout cas. Félicitations à toute l'équipe, puis merci à tout le comité. On travaille durement, mais je vous dis, on va avoir des belles activités à vous annoncer. Merci. Monsieur Godreau. Ben, je ne peux pas ajouter grand-chose. Peut-être faire du pouce sur ce que Clément a dit, là, le déneigement. Là, c'est sûr et certain là, qu'on... On veut que tout le monde fasse preuve de civisme là, dans tout ça, là, puis de patience. C'est assez spécial. Là. On a eu des bonnes accumulations cette année, là, mais on ne veut pas s'excuser de tout ça. Le conseil s'est donné un mandat là, pour la prochaine saison de déneigement, là, et puis essayer de régler les problèmes au maximum. Donc, puis n'oubliez pas d'utiliser Info Service là, pour les plaintes. Là. Ça nous donne des munitions aussi pour prendre des positions là, au niveau du conseil. Sinon, ben merci beaucoup de la présence de tout le monde. Merci. Monsieur Chagnon. Oui, un peu pour enchérir aussi sur le déneigement, comme mes collègues l'ont dit, c'est pas un hiver facile. On a des quantités impressionnantes de neige. On a eu des températures extrêmes. Fait que c'est faut vraiment prendre ça en considération. C'est pas facile non plus pour les entrepreneurs. C'est pas facile pour les gens qui déneigent leur entrée de voir la niveleuse passer, renterrer. On a fini de pelleter la niveleuse, on repasse pour tasser les bancs de neige. Fait que ça fait deux fois. Je me souviens d'une journée où j'ai pelleté mon entrée cinq fois. Je vais vous dire, un petit cœur de 56 ans, il se fait aller, puis les bras sont un peu plus pesants à la fin de la journée, mais il faut être quand même conciliant avec tout ça, là. J'aurais deux, trois autres petits points à rajouter aussi concernant le 26 mars prochain, on organise en collaboration avec la ville une journée plein air où on va faire différentes activités, on va faire du hockey bottine, on va faire des concours de sculpture sur neige, il va y avoir des glissades, il va y avoir une petite course de raquettes. J'invite les gens de parents puis du secteur de parents à venir sur place. Fait que ça, c'est le groupe événement parent. C'est un groupe qui est voué à organiser des activités en collaboration avec la ville. Puis peut-être aussi pour renchérir sur les
la visite qu'une partie des membres du conseil ont faite avec Hydro-Québec dans le secteur de Parent la semaine passée, soit mercredi ou jeudi passé. On a eu une rencontre à Parent, puis concernant les travaux qui ont été réalisés, qui sont en train d'être réalisés à Parent, on a pu constater sur les cartes l'avancée des travaux pour s'assurer d'avoir un approvisionnement qui est constant puis fiable. C'est ce qui manquait dans le passé. Il y a beaucoup de poteaux qui ont été changés, des poteaux en bois qui ont été changés pour des structures de métal. Il y en a d'autres qui ont été changés en partie pour des parties en métal, d'autres parties en bois. Mais au moins, les travaux sont avancés pas mal. Puis à date, là, on est fourni en énergie comme c'est là par des génératrices. Fait qu'il y a 5 génératrices qui sont en place pour nous fournir le courant pour des travaux qui sont faits hors tension. On va aussi avoir l'installation d'un système de batterie, ça s'appelle l'entreprise Evlo. Ça, c'est une filiale d'Hydro-Québec, ça va nous permettre de prendre le relais. Ça, c'est un système de batterie qui peut durer jusqu'à 2, 3, 4 jours, dépendamment des conditions météo. Mais c'est une nouvelle technologie, fait que c'est une bonne chose, c'est naturel, c'est pas polluant. Pour une fois, on va servir de cobaye, mais dans le bon sens du terme. Puis, c'est certain qu'avec les pannes qu'on a vécues depuis plusieurs années, on ne l'a pas eu facile. Quand il fait 28 degrés, un gros soleil de plomb, le village est rempli de villégiateurs, il y a des VTT, il y a des restaurants, nos hébergements sont remplis à craquer, il n'y a rien de drôle là-dedans. J'ai passé quelques nuits blanches. Je ne suis pas un gars qui dort beaucoup, mais je ne dormais pas ben encore moins ces journées-là. Là. Fait que ça n'a pas été facile, là. Les relations avec Hydro-Québec, là, je vous dirais, quand tu reçois un appel chez vous à maison qui te dit « Comment ça va, M. Chagnon? » Après 15 ou 20 heures ou 30 heures, pas de courant, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a des fois que les réponses étaient un peu plus secs, puis on était un peu plus bêtes, puis ça, c'est normal, parce qu'on veut vraiment là, savoir une question qui est importante dans ce sens-là, c'est quand le courant va revenir, là. Puis, je regrette rien de ce que j'ai fait, ni des paroles que j'ai prononcées ou des gestes que j'ai pu poser quand on a eu des temps un peu plus difficiles avec Hydro-Québec. Il fallait qu'on mette notre point sur la table, puis le résultat, il est là aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup plus de considération, on a de la consultation, puis ça, c'est bien, bien apprécié de la part d'Hydro-Québec, là. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, qu'on ait eu notre point de vue. C'est ça que Hydro-Québec a fait aussi en montant avec nous à Clova. Il y a eu une présentation qui a été faite, puis une consultation. Ça a été une très bonne rencontre. Les gens ont pu exprimer leur opinion, leur questionnement. Il faut comprendre que ce secteur-là, il est alimenté par deux génératrices. Fait que c'est un système qui est polluant. C'est un système qui coûte énormément cher. C'est des génératrices au diesel. Puis actuellement, il y a plusieurs options qui sont sur la table. Puis moi, ce qui me concerne, c'est sûr que l'option de ligne de transport, joint peut-être avec un autre système d'appoint, soit une génératrice ou le système de batterie comme on va avoir à Parent, le système Evlo, je pense que ça serait un combiné idéal, mais ça, c'est pas moi qui va décider ça. Il va aussi avoir d'autres rencontres pour présenter la solution qui va être retenue pour l'approvisionnement du secteur de Clova. Je remercie les gens d'Hydro-Québec encore d'avoir pris le temps de se déplacer pour informer les gens, de les écouter. Je pense que ça, c'est important. Il y a un point qui est revenu souvent là à Clova, c'est vraiment la fiabilité. C'est normal que ce soit un point qui soit important parce que on est en contact avec ces gens-là, puis ils ont connu notre fiabilité passée. Puis sur une échelle de 1 à 10, c'était pas très très élevé. Là, on est en train de se rapprocher du 8, 9, 10. Fait que ça c'est vraiment correct. Puis je voudrais aussi remercier les membres du conseil de ville qui sont venus avec les fonctionnaires, une équipe réduite de fonctionnaires. Il fallait en laisser au travail à la TUC. On a emmené peut-être quelques-uns sur le terrain. Il était peut-être moins productif, mais il fallait qu'ils viennent voir aussi la grandeur du territoire. Comment est-ce que ce territoire-là, il est immense? Il y a quand même beaucoup de gens qui y habitent. Il y a une série avec 125 personnes qui a une masse salariale d'à peu près 6 millions de dollars. Ces gens-là descendent à la TUC, vont s'acheter des camions, vont s'acheter des lave-vaisselle, vont s'acheter des motoneiges. Le secteur de Parent, je le répéterai jamais assez souvent, il est important.
C'est un secteur de richesse naturelle. Il y a des pourvoiries. Ces gens-là qui vont sur les pourvoiries, qui vont sur le territoire, amènent beaucoup d'argent. C'est important que les gens comprennent, que ce soit les gens du conseil municipal, je pense que je le répète assez souvent, ils doivent l'avoir compris, mais juste pour être certain, je vais le répéter encore une couple de fois, c'est important qu'on investisse dans ce secteur-là, parce que je vous dirais que depuis qu'on est fusionné, depuis 19 ans, on n'a pas été très, très gâtés sur plusieurs points. J'ai fait la tournée des infrastructures municipales dans le secteur ici, du gymnase, du centre de conditionnement physique, la salle des terrains de jeu, l'OTJ qu'on appelle, la salle communautaire, la gare, et puis il y en a certains qui sont dans un piteux état. Il va falloir qu'on s'attaque à cette problématique-là. Ça fait plusieurs années que je travaille sur ces dossiers-là. Fait que c'est important pour moi, puis c'est important aussi pour les gens de parents, parce qu'on veut avoir un minimum de services. C'est des choses qu'on s'attend à avoir. Je siège comme conseiller, ça fait 4 ans. Je vois les milliers de dollars qui passent, 100 000 dollars ici, 50 000 là, 200 000 là, 300 000 là. Il va falloir un peu que je lève la main puis que je m'arrête quelques dollars dans le secteur ici, parce que je veux pas me ramasser non plus avec des employés qui vont aller aux toilettes, qui vont passer au travers du plancher. Ça serait pas agréable à vivre. Puis je pense que c'est ça, c'est important de vraiment investir dans le secteur. Puis il faut pas être vu comme une dépense, on est vraiment un investissement. Il y a beaucoup de projets dans l'air ici. Si cette ligne entre parents qu'on voit là peut avoir lieu, il y a des projets miniers qui sont sur la carte. Fait que finalement, parents, tantôt, ça va ressembler peut-être plus au Klondike qu'on pense. Fait que ça, c'était mes principaux points, monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Chagnon. Vous êtes bien entendu à l'entour de la table. Puis je peux vous dire une chose, que 2022, ça va être une belle année pour vous. Je suis content d'entendre ça. Justement, venez à la suite, on va discuter. On l'a dit quand on a été vous voir, on a vu vos infrastructures. Puis c'est sûr et certain qu'on va avoir du développement chez vous. Parfait. Ensuite, question des médias. Bonjour à vous tous. Question concernant la réglementation depuis décembre pour le stationnement en hiver de soirée. Comment le conseil voit les premiers mois de l'implantation de ça? Est-ce qu'il y a de l'incompréhension de la population? C'est quoi votre ressenti avec tout ça? Bien, je dirais qu'en général, à l'heure actuelle, les résultats sont bons. Il y a du monde, c'est sûr et certain que on a bien beau leur expliquer, ils comprendront jamais rien, là. Mais ça fait partie. Il y a toujours un pourcentage de la population, mais on ne se fiera pas à ça. Ils paieront l'étiquette, ces gens-là. Mais je vous dirais qu'à l'heure actuelle, là, la grande, grande, grande majorité de la population respecte les consignes. On l'a par radio, on l'a par téléphone, on l'a par SMS, on l'a sur le site de la ville. Fait que les gens qui veulent se stationner quand c'est pas permis, ben là, c'est à leur risque parce qu'ils ont un paquet de moyens, justement, pour s'informer de la réglementation. Mais je ne sais pas si, madame, monsieur Poirier, vous avez d'autres informations, mais... C'est que des commentaires positifs qu'on entend. Évidemment, il y a des gens qui reçoivent des constats d'infraction, mais ce n'est pas plus élevé que les années précédentes où ce que le stationnement nuit est interdit. Donc, au contraire, ça fait bénéficier des gens, des résidents, des citoyens, pour pouvoir justement se stationner sur la chaussée publique, donc sur la rue, quand c'est permis, et à ce moment-là, d'utiliser aussi certains stationnements alternatifs, parce que on a fait quand même le tour je fais personnellement le tour pour vérifier si c'était utilisé, puis ouais, des endroits, les stationnements alternatifs sont utilisés. Puis on a une très bonne et belle équipe aussi qui sont assidus justement à informer les gens quand le stationnement y est permis ou quand il est interdit. Parce qu'il faut dire que ça ne se fait pas non plus de façon automatique. Il y a des gens qui travaillent en arrière de ce principe-là, ce règlement-là, ces autorisations-là. Donc, l'équipe des communications, entre autres, l'équipe des travaux publics, ils travaillent autant les fins de semaine que les soirs de semaine pour informer adéquatement nos résidents, nos citoyens, quand c'est permis ou bien quand c'est interdit. Fait que non, au contraire, c'était un très bon coup, ce règlement-là, puis les gens l'utilisent, puis c'est apprécié de tous. Madame Merlet, avez-vous d'autres commentaires pertinents là, qui seraient sur le sujet? Ou...
Vous êtes à même, là. Oui, bien, en étant responsable d'infoservices, effectivement, les commentaires sont généralement beaucoup plus positifs que négatifs. Il y a effectivement des gens qui nous contactent parce qu'ils ont reçu des contraventions, mais habituellement, là, c'est souvent moi qui leur parle parce qu'ils veulent se faire confirmer si c'était bel et bien interdit le soir qu'ils ont eu la contravention, ce que je leur confirme à chaque fois. Et à chaque fois, ils me disent « Ah, oh, c'est vrai, j'ai pas vérifié » ou « Ouais, j'ai pris une chance ». Fait que souvent, c'est ça qui arrive. On a eu une ou deux personnes qui nous ont dit « Je pensais que c'était permis tout le temps ». Alors, c'est peut-être le temps de refaire le message. Non, ce n'est pas permis tout le temps. Le règlement est toujours en vigueur. C'est interdit de stationner dans les rues durant l'hiver. C'est juste qu'on vous donne la permission à certains moments. Et vous avez la responsabilité comme citoyen de vérifier sur le site web ou sur le numéro de téléphone d'infoservice si vous avez le droit ou non pour la nuit suivante. Et c'est très important de vérifier après 5 heures parce que la date limite où nous, on a pour mettre l'information en ligne, c'est 17 heures. Donc, j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'ils avaient vérifié à 15 heures l'après-midi. Alors non, ce n'est pas bon. Parce que ça se peut que le message change entre... Généralement, on change le message entre 16h et 17h. Merci. D'autres questions? Ça va pour moi. Monsieur Scarpineau. Petite question. Les mesures sanitaires tombent à tomber tranquillement. Le printemps, la belle température s'en vient. Est-ce qu'on peut espérer des jeudis centre-ville cet été, Parc des Générations, samedi Scott et Humour? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire là-dessus? Bien, ça se discute à l'heure actuelle. Puis si on s'en va dans cette ère-là, là, c'est sûr et certain qu'on regarde pour une programmation cet été. Mais on va revenir plus en détail là, dans le mois qui va suivre. Là. Merci. D'autres questions? Questions du public. Madame peut-être Mme Landelet avant, puis après ça, Claude. Non, moi, j'ai reçu aucune question. C'est bien. Questions du public. Oh, il faudrait vous nier au micro. Après. Ça va être long, mais Claude Boudreau. Oui. Je vous présente en premier. Moi, je voudrais féliciter premièrement le Chose des arts et cultures pour avoir nommé la salle M. Spain. Oui. Je pense que c'est un des personnes qui a aidé le plus l'art et la culture à la TUC. Féliciter l'équipe qui a décidé ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense que je ne suis pas tout seul. M. Scarpineau, il est arrivé ici à la dernière seconde. Moi, je suis de la couronne rurale. Les assemblées à 6h. 6h30, j'avais déjà de la misère à arriver à temps. 6h, je trouve que, personnellement, en tout cas, je trouve ça un petit peu de bonheur. Je finis à 5h, aller chez nous, souper, changer, puis revenir ici, c'est quand même assez serré. Je ne sais pas si... Bien, on va en prendre bonne note, M. Claude. Mais là, justement, on les a mis à 6 heures, justement, c'était peut-être pour essayer d'acclimater plus de monde, pour qu'on ait plus de monde à nous assembler. Des fois, mettez ça plus tard, bien, c'est peut-être pour ça. Puis il n'y avait pas de monde, on disait, bien, on va l'essayer. On l'essaye cette année, parce que là, c'est un règlement pour un an. Mais effectivement, on va regarder là, pour l'année prochaine, si on voit là, que... Ça n'a pas augmenté. On peut revenir à 6h30 puis 7h la proximité. Il n'y a pas de problème avec ça, mais on va regarder. Pour moi, en tout cas, c'est comme assez serré d'être ici pour l'heure. Là. On prend bonne note de votre commentaire. Parfait. Après ça, c'est une petite histoire un peu que j'ai à raconter parce que j'ai pas été enchanté des réponses. Le 20 décembre, M. Dubé est au courant, mon bac de vidange est resté sur le bord du chemin. Fait que j'ai fait ce que la ville nous demande le lendemain. J'ai appelé justement InfoService. La réponse d'InfoService, c'est vous deviez avoir de quoi de pas correct dans votre bac. J'ai fait comme la seule chose qui peut ne pas aller peut-être dans mon bac de déchets, c'était un coussin pour chien. Elle dit, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas ramassé. Là, je ne sais pas s'il y en a qui me connaissent, mais la vapeur a monté comme assez vite. J'ai arrivé pour péter une coche. J'ai dit, non, regarde, pas à toi qui m'as pété une coche.
J'ai dit, je veux parler à quelqu'un qui est responsable du dossier de ça. Fait qu'elle m'a dit, c'est M. Justin Proulx. Elle me passe un transfert à M. Justin Proulx. Je laisse un message. J'attends à peu près trois quarts d'heure, une heure. Elle dit, m'a appelé mon conseiller. J'ai appelé mon conseiller, M. Dubé. Fait que j'explique ça. J'ai dit, mon bac n'a pas été ramassé. Ça a l'air que c'est mon coussin de chien qui ne serait pas conforme dedans. Ce que M. Dubé m'a répondu. Il dit, voyons, ils n'ont même pas le droit de jeter une guenille sale dans le bac bleu. Fait que c'est sûr qu'un bac pour, un coussin pour chien, ça va sûrement dans le bac vert. Fait qu'il me dit, il dit, je vérifie puis je vous rappelle. C'est bon. Fait que sur l'entrefaite, j'ai eu le retour d'appel de M. Proulx qui m'a dit, on vérifie M. Boudreau. Il dit, pourquoi? Puis il dit, je vous redonne des nouvelles. Mais bon. Fait que M. Dubé me rappelle. Il me dit, je me suis informé au dépotoir municipal. Il dit, la réponse, c'est que ça va dans le bac vert. Et un coussin pour chien, d'après moi, ça va dans le bac vert. Je pense, d'après tout le monde aussi. Je ne suis pas sûr si tout le monde est d'accord avec moi. Fait que j'attends le rappel de M. Proulx. J'attends. Vers 3 heures, c'est M. Paré qui me rappelle. Il commence par me dire que mon bac n'était pas sur le bord du chemin. J'ai dit, pardon. J'ai dit, mon bac il est là depuis 10 heures dimanche. Il dit non, il dit, j'ai des caméras sur mon truck, puis il dit, votre bac n'était pas là. J'ai dit, regarde là comme faut tes caméras, mon homme, parce qu'il dit, mon bac il était sur le bord du chemin. Il dit, il dit, d'habitude, il dit, le monde change d'idée quand je dis ça. Ah, j'ai dit, ben, je dis pas moi. Fait que, il me tient même à peu près 45 minutes de temps au téléphone à m'expliquer qu'il était payé 78 cents le bac, puis qu'il ne viendra pas le rechercher, puis tatatata. Hey, j'ai dit, moi, je ne veux pas savoir ta vie, là. J'ai dit, moi, mon bac n'a pas été ramassé, je veux savoir pourquoi. Ils m'ont dit que c'était non conforme ce qu'il y avait dedans. Fait que, là, il dit, on va aller le ramasser lundi prochain. Il dit, on passe, on va arriver au rang, on va le ramasser lundi prochain. C'est beau. Fait que, le lundi d'après, mais mon bac, c'est bord de chemin. 5h-15h, mon bac n'est pas ramassé. Je rappelle M. Paré parce qu'il m'avait dit de le rappeler personnellement. Et il dit, hey, il dit, moi, je suis en vacances, il dit, j'ai d'autres choses que ça à faire. Ben, il dit, tu vas venir ramasser mon bac, mon homme, parce que tu me l'as promis, tu me l'as ramassé. J'ai dit, je sais. Tout le monde me dit que t'es pas fiable, mais j'ai dit, je pense que je commence à le comprendre. Fait qu'il dit, il me raccroche, en tout cas. Il m'envoie une vidéo comme de quoi qu'il voit pas mon bac sur le bord du chemin, puis, hey, je peux vous montrer des photos, j'en ai dans mon cellulaire. Mon bac, on le voit très, très, très bien. On voit même ma galerie à la maison qui est 20 pieds plus loin, 20 pieds en arrière. Fait que, là, il commence quand même à me dire toutes sortes de choses. J'ai dit, là, regarde, arrête ça, là. Je raccroche la ligne. Là, il me rappelle, il dit, on va aller vous ramasser. Il dit, mercredi, il dit, c'est mercredi qu'on va arriver au rang. Mais bon, il dit, t'es tout aussi bien de le ramasser parce que tu peux être sûr, tu vas entendre parler de nous. Fait qu'à fin de compte, le mercredi matin, ils ont ramassé mon bac. Bon. Mais, moi, là-dedans, oui, je suis d'accord, il ne l'a pas ramassé. Il essaye de me le passer sur le dos. Il me fait des vidéos pour me le passer sur le dos. Quand c'est lui qui l'a oublié. Si au départ, il m'aurait dit, gars, M. Boudreau, lundi, on est le mardi, mercredi, les gars vont arriver au rang, ils l'ont oublié, ton bac, il dit, regarde, on passe mercredi, là, celui-là, on va le ramasser. J'aurais, un, j'aurais arrêté là, deux, j'aurais pas. Puis, l'autre affaire, vous dites tout le temps d'appeler Infoservice, le monde dit, ça donne rien. On fait des plaintes, puis ça fait absolument rien. Mais ce que je ne comprends pas dans l'histoire de la plainte, si premièrement, la personne qui m'a répondu m'aurait dit, on ne sait pas pourquoi, on va vous transférer à M. Proulx. Que M. Proulx a rappelé M. Paré, m'aurait rappelé M. Boudreau, ils l'ont oublié. Parfait, un malheureux. Je ne dérange pas M. Dubé. Je ne passe pas 40 minutes au téléphone avec M. Paré pour rien. Puis, quand tu appelles pour les vierges, j'en connais une vingtaine. J'ai raconté mon histoire à peu près une vingtaine de personnes. Ils m'ont dit, tu appelles Infoservice, ils te disent que tu as de quoi te pas confondre dans ton bac. Puis, ils ont dit la même chose à ma belle-mère. Elle avait 3-4 branches dans son bac, puis ça a dit que c'était pour ça qu'il l'avait pas ramassé. La semaine d'après, il y avait 20 branches dans le bac, puis ils l'ont ramassé. C'est tout simplement qu'ils l'avaient oublié. Pas vraiment. Ça peut arriver, un oubli, je veux pas, tu sais. Mais, je trouve ça un peu, tu sais, la réponse... Oui, c'est sûr, regardez, mais on a quelques plaintes à l'occasion, mais je pense que Infoservice fait un bon travail.
Puis on sortirait les statistiques, justement, là, de réponses pour, là, vous parliez du bac des déchets, mais InfoService, ben, c'est plus que ça, là, en fin de compte. Puis je pourrais vous dire que la satisfaction, là, parce que la plupart du temps, on a une carte d'appel qui se fait par InfoService, puis le contremaître qui reçoit l'appel, ben, il faut qu'il réponde, justement, au client. Fait que là, peut-être, vous avez, je ne dis pas que c'est un cas unique, là, que ce que vous avez vécu, mais là, en tout cas, là, une situation comme la vôtre, là, c'est la première fois que je n'en entends une. Mais regardez, puis suite à ça, ça s'est-tu reproduit? Mais non, là, le 20 janvier. OK, mais suite à ça, probablement, regardez, ça a été corrigé. Là. C'est une mauvaise expérience que vous avez eue, mais je peux vous dire que on invite les gens là, pour justement se servir d'InfoService, parce que les statistiques, Mme Landlet, je pense qu'ils sont très bonnes là-dessus, puis on pourra vous les sortir. Bien, pour continuer sur l'InfoService, moi, je vais vous poser une autre question. J'ai parlé avec M. Paré cette fois-là. Il m'a donné son numéro de téléphone personnel, puis il m'a dit, au lieu d'appeler InfoService, appelle-moi donc directement, comme ça, on va pouvoir régler le problème direct. Ah! Deux contremaîtres de la ville à qui j'ai parlé que j'avais fait des plaintes m'ont dit exactement la même chose. Au lieu d'appeler InfoService, appelle-nous donc direct là où tu nous connais. Bien, c'est à cause que la hiérarchie, je suis supposé de passer par InfoService. Passer InfoService. Je vous le dis tout de suite, là, passer. Puis j'avise la population de passer par InfoService. Okay. Ça, c'était... D'autres choses? Mais pour revenir aux déchets encore une autre fois, moi, là, je l'ai dit, vous savez, vous m'avez vu ici souvent dire, ça n'a pas de maudit bon sens, et Chris, le bac de déchets, on les met là, la rue est là. Chris, pourquoi il faut qu'ils les mettent là? Sur le boulevard du Charme, c'est l'enfer, ils sont dans la rue, à tout bout de champ, tu ne passes pas d'en ramasser un quand tu arrives à passer dans... Déjà, on s'entend que cette année, il y a de la neige, puis les... La quatrième voie est déjà à moitié gobée. Là. Mais il était avisé justement là, de remettre au moins les bacs là, dans les entrées, là, pas les mettre dans la rue. Le mien, mon bleu, il est cassé. Ils l'ont mis sur le bord de la bord blanche, une journée de tempête, puis à chaque fois, il l'a ramassé. Fait que le pouvoir est cassé. Je m'attends à la fin de l'hiver avant de le faire changer, là, parce qu'il va sûrement se recasser une autre fois. Là. C'est sûr, si je peux rajouter, là, M. Boudreau, là, les contrats avec les entrepreneurs, là, ils vont être à revoir. Là. Que ce soit pour la récupération des déchets domestiques ou encore le recyclage, là, c'est tous des dossiers là, qui vont venir à échéance puis qu'on va avoir à renouveler. Puis où est-ce qu'on veut se donner aussi des moyens de contrôle plus stricts là, pour avoir un suivi. Là. Parce que pour ce qui est des bacs là, qui sont pas nécessairement replacés au même endroit, là, bien, ça, vous n'êtes pas le premier là, qui en parlait. Là. C'est sûr et certain qu'on avait déjà eu des plaintes de ce côté-là. Fait que là, on va se donner les moyens. Là. C'est un peu là-dessus qu'on travaille. Là. Nous aussi, on arrive, là, puis on va essayer de faire en sorte d'être capable d'avoir des moyens pour pouvoir sensibiliser beaucoup mieux les entrepreneurs à justement faire le travail en conséquence. Fait que. Ben, ça serait bien apprécié. Mmh. C'est sûr qu'on va travailler dans ce sens-là, sauf que c'est ça, il faut que ça vienne à échéance. Ça se fait pas en 3 mois. Puis... ben, en tout cas, j'ai pas les dates exactes où ce que ça va arriver à échéance, mais... En 3 mois, ça se fait ben, avec les renouvellements de contrat, les clauses dedans ou des choses comme ça. C'est ça. Une chose est sûre, c'est que le conseil s'est donné comme mandat là, de faire du long terme. Ça veut dire qu'on en parlait tantôt, le déneigement, là. Bien, on ne veut pas prendre des mesures qui vont faire en sorte qu'on va recommencer encore à l'autre saison. On va avoir des façons de faire qui vont être efficientes puis qui vont durer dans le temps. Fait que c'est la même chose pour les déchets, c'est la même chose pour le recyclage. C'est des gros dossiers, c'est ce qui va. Ça va être des enjeux assez majeurs en frais de coût et tout ça dans les prochaines années. Fait que soyez assurés là-dessus là, qu'on va travailler là, dans ce sens-là. Là. Parfait. Peux-tu rajouter de quoi un petit peu? Ben, vas-y, Claude. Clément. Il y a aussi, tu sais, la population, on a une petite responsabilité aussi envers ces corneurs-là. Là. Tu sais, je suis capable de comprendre. Moi, chez nous, ils passent à 4h30 du matin. Moi, heureusement, je suis vraiment tout le temps levé. Mais en tout cas, il y a des places là que le monde ne sont pas là ou ils sont là. Puis il y a des heures qui est normale, régulière. Mais je pense qu'on a une petite responsabilité aussi de prendre notre pelle puis nettoyer un petit coin pour mettre le bac. Déjà là, ça aide.
Hey. Tu es allé chercher la photo? Non, non, c'est pas ça. Je ne parle pas de... 22 pieds de large, par 30 pieds, pieds grattés, puis le bas de neige, je devrais faire l'autre bord. Je parle pas... Non, c'est pas ça que je parle. Je ne parle pas de toi. Il y a des places que c'est de même. Il y a des places de même, puis c'est normal, si je comprends ça. Moi aussi, j'ai eu des bacs à plein milieu du chemin. Si je suis capable, puis le terrain était beau. On a parlé, M. le maire l'a dit tantôt, ça a été... Mais il y a des places que je vois que l'abordage est là, il y a un pied et demi de neige. Je suis capable de comprendre que de là, le bac est plein, le gars, il a de la misère à le chercher. C'est vrai, c'est dur pour lui la remonter. Je suis capable de comprendre ça. Mais je peux dire qu'on a un pourcentage de responsabilité, c'est qu'il faut surveiller notre bac pour que ça s'aille propre. Surtout quand la tempête est finie, en plus, on sait, on met le bac là, mais on pense à lui débloquer un petit point. Je ne veux pas dire que c'est lui. Non, c'est tout le monde. Il y a une responsabilité à la fin de la population. Il faut surveiller ça. Le restant, mais si tout est correct, là, on peut frapper ailleurs. Mais il faut aller étape par étape. Puis moi, je trouve que c'est une étape qu'il faut la population prendre en considération. C'est bon. D'autres points, monsieur? Il m'en reste un petit dernier. Ben, vas-y. Le petit dernier, c'est... Je ne sais pas si vous voulez, monsieur le maire, lorsque vous étiez conseiller, on s'était rencontrés à la sortie ici, puis vous m'aviez parlé, je vous avais parlé du parc que vous voulez faire aux choses. Vous m'avez dit, justement, vous en alliez à une assemblée, puis vous me donneriez documents. Quand vous avez été nommé maire, vous m'avez rencontré ici, vous m'avez dit, Mme Pollux, vous ouais. Vous contacter sur ce sujet-là. Elle vous avait passé la commande, mais là, non. Je n'ai jamais eu de rappel, je n'ai jamais eu de rappel. Ben, je pense que mon numéro de téléphone il est assez facile à trouver. Parce que là, peut-être, Mme Paulus, je peux vous dire qu'avec la réduction d'effectifs qu'on a dans le service des loisirs, elle est occupée beaucoup, de un, mais de deux, si on s'en va pour justement peut-être le parc qu'on parlait à Terrasse, bien, ce projet-là, il n'est plus d'actualité. On a un autre projet au centre de ski pour le développer 12 mois par année. Ben, en tout cas, ça serait pas mal plus intelligent au centre de ski que... Ben oui, c'est ça. Mais c'est à force de parler, de discuter, de vos commentaires, tous ces points-là, ben on travaille en équipe. Parfait. C'était tout. Et bon, ben. Bonne... Merci pour votre écoute. Merci. Bonne soirée. Merci. D'autres questions? Si vous voulez aller au micro, ceux qui ont des questions. Bon, moi, c'est André Goyet, secteur de la Croche. Moi, une question depuis le mois d'octobre, depuis le dernier conseil de quartier de la Croche. Clément, tu étais à l'Assemblée, puis tu le sais un peu. Moi, là-haut, oui. On parle du bâtiment municipal, du 47 principal. Avant, c'était le service de proximité. Il est fermé depuis juillet 2018. Là, qu'est-ce qu'on a appris? À cause de l'assurance, il faut qu'il garde le chauffeur, l'électricité. Mais qu'est-ce qui blesse le plus? C'est que la compagnie Exitel du groupe Mascatel, ils ont des appareils électroniques là-dedans, puis l'électricité, ils fournissent le tour pour le secteur de la Croche qui fait l'Internet. À ce que je cherche, cette compagnie-là, c'est pas à but non lucratif. C'est quoi l'orientation? Là, je veux pas une réponse définitive à soir, mais qu'est-ce qu'il y a avec ce bâtiment-là? Un bâtiment abandonné, ça... C'est pas payant. Je peux te répondre? Pas payant. C'est sûr, c'est pas payant. Je peux te répondre? Ouais, vas-y, Clément. Je ne voudrais pas avancer trop là-dedans, là, mais... C'est des belles discussions que ça, vous pouvez avoir au conseil de quartier. Puis Clément, ben, c'est sûr et certain qu'il va avoir des éléments à vous répondre. Je ne veux pas avancer trop là-dedans, mais sois chanceux, comment qu'on se rend compte, ça va être de quoi que je vais parler, puis tu vas comprendre qu'est-ce que je veux dire, puis tu vas savoir qu'est-ce qu'on va faire avec la bâtisse. Mais le conseil de quartier, c'est juste consultatif. D'après la loi des fusions, le conseil de quartier parle au conseiller. Le conseiller met ça au conseil municipal. Oui. Mais oui, mais je te dis, mais qu'on se rend compte. Qui fait de l'argent puis qu'il n'y a pas de compétition, qui ont un service gratis, tu ne vois pas ça nulle part, ben. Tu parles de Xtel, là? Oui, Xtel. Eh bien, moi, jusqu'à ce temps, je ne sais pas si M. Poirier pourrait rajouter là-dessus c'est quoi les conditions entre Xtel et la ville de Latuc. La réponse qu'on a eue du conseiller du temps, il dit que c'est pour aider le village qu'il avait eu ça. Non. Ben, il n'y avait aucun frais, il ne payait aucun frais. Effectivement, mais l'engagement qui avait été pris dans le temps, puis ça, si vous vous souvenez, M. Goyet, c'était avec le programme Ville et Village branchés que le gouvernement du Québec nous avait donné justement pour passer la fibre à la Croche.
dont vous avez été un des premiers secteurs là, desservis par Excitel. L'entente qu'on avait eue avec Excitel dans le temps, c'était leur fournir un local à l'intérieur d'un bureau, puis c'était approprié. C'était un bureau qui appartenait à la municipalité. Il était fonctionnel, occupé, puis il y avait des gens qui y travaillaient. Donc, vous l'avez dit aussi, depuis 2018, qui est inoccupé, c'est pas nécessairement la volonté de le démolir, c'est la volonté, c'est de trouver une deuxième vie à ce bâtiment-là. Et c'est justement ce que M. Dubé veut accomplir comme dossier, de donner justement une deuxième vie à ce bâtiment-là. Donc, d'offrir à Excitel encore là la possibilité d'héberger leur serveur, leur boîte électrique, là, qui sont à l'intérieur d'un petit local, qui est l'équivalent d'un garde-robe, bien, ils pourraient y demeurer. Si éventuellement la décision serait le contraire, on peut redemander à Excitel de se relocaliser à l'extérieur. On ne gardera pas un bâtiment chauffé, éclairé, pour une compagnie qui ne paye pas nécessairement de loyer. Là. Je vous rejoins entièrement là-dedans, mais ce n'est pas nécessairement la volonté du conseiller M. Dubé de vouloir justement démolir ce bâtiment-là plutôt d'y trouver une deuxième vie pour accommoder les citoyens de la Croche. Tu ne pourras pas faire comme qu'ils font au centre social de la Croche, un loyer. Non. Non. C'est définitif. Parce qu'on sait qu'au printemps, il y a une belle piscine. Dans le... Rien qu'un an, ça n'est pas... Non. Oui, mais la piscine est grande, c'est pas grave. La Croche, on est habitué à la piscine, la Croche, là. Ça fait quasiment 4 ans que c'est en vente. Ils voulaient vendre ça tout avec tout le terrain puis le camping. Là, il y a une levée de bouclier. André? La rumeur tue plus que la tumeur. Monsieur Goyette, je veux juste vous dire, attendez qu'on s'en suit ensemble. OK. Puis je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir de la Croche. OK? Aujourd'hui, je ne peux rien parler. Moi, je vais trop vite. C'est en plein ça. J'essaie de vous faire comprendre ça. Fait qu'on va changer de sujet pour ça, pour l'instant. OK. Fait que... c'est une meilleure réponse que l'année passée. Ben, on va en discuter. C'est un point à votre ordre du jour à la première assemblée de conseil de quartier. Merci. Merci, M. Goyette. Si vous me permettez, M. le maire, j'ai peut-être un commentaire en réaction à M. Goyette, mais en même temps, en m'adressant au... Je me sers de vous, M. Goyette, pour m'adresser à vous puis aux gens qui ont été nommés ce soir au niveau du conseil des quartiers. Effectivement, le conseil des quartiers, vous l'avez dit, c'est surtout aux fusions municipales où ce que l'ensemble du territoire était diminué au niveau de la représentativité, parce que vous vous souvenez, il y avait 6 conseils municipaux auparavant. Il y en avait un à La Croche, Parent, Lac-Édouard, La Bostonnais. La ville de Latuc et la MRC, ils avaient leur propre conseil municipal. Et suite aux fusions, bien, on est devenu un seul conseil municipal, dans le fond. Donc, le gouvernement du Québec avait permis, aux différents secteurs, d'avoir des conseils de quartier pour avoir une meilleure représentativité sur le secteur. Donc, vous êtes représenté par M. Chagnon, vous êtes représenté par M. Dubé dans 2 conseils de quartier différents, un couronne rurale, un qui est La Croche. Mais c'est un conseil quand même qui est important. C'est un comité qui n'est pas nécessairement, qui n'est pas bidon du tout, au contraire, qui est important parce que vous êtes les yeux et les oreilles du conseiller, mais en même temps du conseil de ville. Donc, tout projet, tout dossier, dans le fond, qui mériterait d'être analysé autant au niveau d'études de crédit qu'on prépare les budgets là, dès la fin de l'été, septembre-octobre, vous allez être mis à contribution aussi à l'intérieur de ce processus-là pour amener des projets, amener des dossiers dans vos secteurs respectifs. Fait que c'est pas nécessairement un comité, oui, un comité consultatif, effectivement, parce qu'il n'est pas décisionnel, mais c'est un comité quand même qui a été écouté par le passé puis qui devrait être écouté aussi par M. Dubé, entre autres, et M. Chagnon, qui ont leur conseil de quartier respectif aussi. Fait qu'un chien parle fait même à vous remercier de votre implication, là, mais c'est pas un comité bidon, au contraire, c'est un comité qui est très important pour Ville de Latuc. C'est beau, merci. D'autres questions du public? M. Boudreau, je crois. M. Boudreau. C'est bon. Denise Hébert, couronne rurale. La question pour M. le maire. Est-ce que le comité santé va être réinstallé? Je pourrais vous dire qu'il va peut-être pas revenir, le comité santé, mais il va avoir peut-être une autre forme. Justement, on est en discussion avec le CIUS, puis on est avec Charlène Bolger aussi, qui vient nous expliquer un peu c'est quoi la mission du CIUS. Puis je pense que ça peut cadrer carrément là, dans qu'est-ce qu'on faisait aussi le comité santé. Mais pour tout de suite, je pourrais vous dire que le comité santé, non, il n'y reviendra pas là-dessus. Merci.
Merci. Oui. Et Madame Christiane, avais-tu quoi? Eh bien. Merci. D'autres questions du public? Comme j'ai dit tantôt, ceux qui ne sont pas à l'aise à venir au micro, on va rester peut-être une dizaine de minutes aussi encore après l'Assemblée. Sinon, ben, je demanderai un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Madame Duchesne, appuyée par Monsieur Fortin. Ben, merci beaucoup à tous et bonne fin de soirée.